Bonjour, Bonjour, bonsoir tout bonsoir le tout le monde. monde. Alors, Alors, je je me me présente présente officiellement officiellement François François Maranda. Maranda. C'est C'est un un bonheur bonheur d'être d'être votre votre animateur animateur pour pour cette cette activité activité toute toute spéciale spéciale virtuelle virtuelle et et qui qui lance lance officiellement officiellement la la première première édition édition d'Effet d'Effet Transition Transition propulsée propulsée par par Laval Laval en en Transition. Transition. Alors Alors voilà, voilà, c'est c'est un un rendez-vous rendez-vous citoyen citoyen qui qui comprendra comprendra un un total total de de 24 24 activités activités échelonnées sur échelonnées une sur une période de période de 6 6 semaines semaines et et qui vous qui vous donnera donnera accès accès à à plus plus de de 52 52 experts experts et et invités. invités. Et Et nous nous avons avons des des invités invités exceptionnels exceptionnels ce ce soir à soir à vous vous présenter présenter et et avec qui on aura l'occasion l'occasion d'échanger d'échanger dans dans un un instant. instant. Mais Mais avant avant de de vous vous les les présenter, présenter, j'aimerais j'aimerais laisser laisser la la parole parole à à notre notre hôte hôte de de la la soirée. soirée. Il Il s'agit s'agit du du maire maire suppléant, suppléant, le le vice-président vice-président du du comité comité exécutif exécutif et et conseiller conseiller municipal municipal du du district district Duvernay-Ponvio Duvernay-Ponvio pour pour la la ville ville de de Laval. Laval. J'ai J'ai nommé nommé Monsieur Monsieur Stéphane Stéphane Boyer. Boyer. Conseiller municipal du district Duvernay-Ponvio pour la ville de Laval. Bon, je suis très heureux d'être avec vous pour le lancement d'Effet Transition. Effet Transition, vous le savez, c'est une série d'activités programmées et organisées par toute une belle brochette de bénévoles, de citoyens lavallois, lavalloises qui s'impliquent pour l'environnement. Et je trouve ça très beau à voir parce que l'environnement, on en parle beaucoup. On en a parlé dans le passé, on en parle aujourd'hui, puis on va continuer à en parler demain. C'est l'enjeu du siècle qu'on doit adresser. C'est pour ça qu'à la ville, on a fait plusieurs mesures fortes. On est en train d'électrifier la flotte de nos véhicules. On s'est doté d'un plan aussi pour réduire nos GES de 33% par rapport au niveau de 90. On fait des programmes de plantation massive d'arbres. On a passé également de la protection de notre territoire. On était à 3-4% de notre territoire protégé il y a environ 7 à 8 ans. On est maintenant à 12%. Bref, on met les bouchées doubles depuis quelques années pour protéger l'environnement Laval et pour réduire nos GES. L'enjeu qui nous guette, on doit s'approprier ces enjeux-là, y croire, mais on doit aussi réussir à trouver les actions qui vont être les plus efficaces pour réduire nos GES, pour adapter nos territoires, nos quartiers, notre ville au changement climatique qui nous guette dans les années à venir. Bref, effet transition, ça fait partie de la solution dans cet enjeu qu'est l'environnement. C'est donc dans cette optique-là que je suis aussi content de souligner le fait que Effet Transition ainsi que la Caravane de la Transition sont des activités qu'on a supportées à la ville avec le fort dans la dernière année. Donc sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps, je laisse la place aux invités. Je vous remercie d'être ici ce soir et je remercie surtout tous les bénévoles pour votre généreuse implication dans ce beau mouvement citoyen. Suppléant, c'était Stéphane Boyer qui vient de nous adresser la parole. Alors, en effet, Effet Transition est une initiative du mouvement citoyen Laval en transition et plusieurs citoyens se sont portés bénévoles pour rendre possible cette série d'activités. Et c'est en leur nom que j'invite maintenant les co-porte-parole de Laval en transition que je vais aller rejoindre par Zoom, Geneviève Dagneau et Alexandre Warnet à nous adresser maintenant quelques mots. Comment allez-vous, chers amis? Très bien, merci. Merci toi-même. Oui, vous nous Vous entendez bien? On vous entend bien. Alors, bonsoir à toutes et à tous, Coué, citoyennes et citoyens de la Terre. Donc, je suis Alexandre Warnet. Et je suis Geneviève Dagneau et nous sommes les co-porte-parole de Laval en transition. Laval en transition, c'est un mouvement citoyen et non partisan qui a pour but de sensibiliser, rassembler et outiller les Lavallois, les Lavalloises pour développer des initiatives éco-responsables, solidaires et conviviales. Ce qu'on vise donc, c'est la transition écologique, économique et énergétique, et on veut rendre la communauté plus résiliente. Comme vous, donc, bien, on est des citoyens qui avons à cœur l'avenir de notre planète, de notre biodiversité, de nos écosystèmes et de nos communautés. Portés par l'espoir, avec passion, avec intelligence et sagesse, dans le plaisir, le partage et la connexion, on pose des gestes concrets chez nous à Laval, par et pour les citoyens. Et si vous êtes de celles et ceux qui se joignent à nous pour la première fois et que vous avez envie de jouer un rôle positif pour la communauté et la planète, on vous dit bienvenue dans la famille.
Aujourd'hui s'ouvre Effet Transition, le premier forum organisé par Laval en Transition. Mais Laval en Transition, c'est aussi beaucoup d'autres choses. La caravane de la transition, entre autres, qui sillonne les quartiers pour faire émerger les initiatives citoyennes locales. C'est des activités terrain comme des grands ramassages de déchets ou des plantations d'arbres fruitiers. Ou encore, c'est un moment de rassemblement pour apprendre à se connaître puis à renforcer la tribu. Et on travaille avec volonté. Et la volonté d'agir, bien, ça peut partir d'une place, d'indignation. Assez, la destruction des écosystèmes. Ça suffit, la sixième extinction de masse de la biodiversité. On n'en veut pas des pipelines et des énergies fossiles. C'est aussi la volonté d'agir qui peut donner place à la responsabilité. Nous reconnaissons que nous avons tous et toutes un rôle à jouer, tant individuellement que collectivement, puis on choisit d'agir maintenant. Enfin, la volonté d'agir, ça peut aussi partir d'une place d'amour. L'amour de la terre, l'amour de nos rivières, de nos forêts, des animaux, dont les humains. Nous ne sommes pas extérieurs à la nature, nous sommes la nature qui se défend et se guérit. En jumelant la tête, le cœur et les mains, on va y arriver. Ensemble, on va réussir à enraciner une culture régénérative sur notre territoire. Ensemble, on va protéger et guérir nos écosystèmes. Ensemble, on va se reconnecter et on va développer des quartiers participatifs, des communautés tissées serrées. Ensemble, on va réduire notre empreinte écologique et la faire réellement la transition. On vous invite fortement à vous impliquer ou à contribuer comme vous le pouvez à rejoindre Laval en transition. Vous faites partie de la solution. Un grand merci d'ailleurs à tous les bénévoles qui ont permis de faire que le forum débute aujourd'hui. Et vraiment un merci très spécial à notre super coordonnatrice Marianne Perrault qui a permis de faire que cette idée devienne une réalité. C'est maintenant le temps de se laisser inspirer, d'apprendre, de développer ses connaissances et ses compétences et de se rencontrer pour tisser des liens. Ce forum, c'est votre forum. Profitez-en. Bonne première édition. D'Effet Transition. Bon, merci beaucoup à vous deux. Merci infiniment, Geneviève et Alexandre. Wow. Et c'est dans cette optique de protection, de reconnaissance et d'amour dont Geneviève et Alexandre nous parlaient, que Laval en transition désire rendre hommage aux peuples autochtones qui, bien avant l'établissement des colons européens, étaient présents sur les terres où nous sommes rassemblés. Ces terres ayant longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Et nous avons encore deux invités de marque à vous présenter. La prochaine est nulle autre que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, qui vous a préparé ce message. On l'écoute. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de pouvoir faire une apparition dans le cadre de cette première édition d'Effet Transition. Je suis très fière que notre gouvernement y contribue grâce à une aide financière. D'ailleurs, je salue votre initiative qui permettra d'échanger sur des thèmes d'actualité et des solutions d'avenir. C'est certain qu'en tant que ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, le thème « Repenser les terres » qui porte sur l'aménagement m'interpelle particulièrement. Parce que pour avoir une société en santé où il fait bon de vivre, il faut repenser nos façons de faire, innover et préserver de manière durable notre environnement. D'ailleurs, en octobre dernier, nous avons octroyé 7 millions à la Ville de Laval pour acquérir l'île Saint-Pierre et la majeure partie de l'île aux Vaches à des fins de conservation. Pour notre gouvernement, c'était essentiel d'aller de l'avant afin que les citoyens de Laval et des autres régions puissent profiter de ces lieux naturels exceptionnels. Ceci étant dit, je tiens à vous remercier de votre participation à cet événement aujourd'hui et ça démontre votre désir de changer les choses et vos échanges porteront fruit. Votre temps est précieux, alors sur ce, je vous souhaite une excellente rencontre. Merci beaucoup, Mme Laforêt, pour ces mots. Finalement, un événement comme Effet Transition est rendu possible grâce à de nombreux partenaires et je tiens à les remercier pour leur participation.
Alors, merci à nos grands partenaires, soit la Ville de Laval et la Caisse d'économie solidaire des Jardins pour leur soutien essentiel. Merci à Cinequinox qui propulse aujourd'hui notre web diffusion, d'où on diffuse présentement, via la plateforme regardezmoi.ca. Merci au Pôle régional d'économie sociale de Laval, à la Société de transport de Laval, la STL, et à la Fondation David Suzuki. Finalement, Effet Transition est possible grâce au soutien du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Aussi, un merci spécial aux élus et amis des citoyens ayant contribué à aider à la mise en place d'Effet Transition. Je sais que nous avons M. Sol Polo, député de Laval des Rapides, ainsi que des conseillers municipaux parmi nous, et je voudrais les remercier de leur présence. Nous sommes très heureux de susciter leur enthousiasme envers l'événement. Une liste exhaustive de tous les partenaires est disponible d'ailleurs sur le site effettransition.ca pour étancher votre curiosité, si vous le voulez. Donc, et maintenant, si vous ne l'avez pas encore réalisé, cette activité est enregistrée, en plus d'être en direct. Elle sera donc accessible pour être réécoutée sur la page regardezmoi.ca, réservée aux détenteurs de passeports d'effet transition jusqu'au 12 juin, me dit-on, 2021. Donc, on arrive maintenant au déroulement de l'activité comme telle. Donc, nous sommes en virtuel et pour s'assurer que tout se passe bien, voici quelques informations importantes, évidemment. Vous pourriez en tout temps poser vos questions dans la zone de discussion présente dans le bas de votre écran. Je ne sais pas si je pourrais être à votre place, Justine. Marianne Perrault, la coordonnatrice de l'événement, sera votre voix ce soir et elle va nous acheminer vos questions. Elles seront posées en fin d'activité. Mais sachez que ce n'est pas premier arrivé, premier servi. On va faire une sélection. On va y aller avec la pertinence aussi des questions selon les sujets qui seront abordés ce soir. Et donc, c'est la première édition. On ne sera peut-être pas parfait, c'est sûr et certain. Hein, on va faire quelques petites erreurs. Mais laissez-nous la chance des premiers coureurs. Hein. On va faire notre possible. Mais déjà, je sens une bonne énergie de partout. Ah oui, ça se sent. Alors, on va commencer immédiatement en vous présentant officiellement nos panélistes. Ils sont exceptionnels, ils sont magnifiques et je les vois déjà. Je vais commencer en faisant la description et on va peut-être... Tiens, on les voit, je pense, présentement à l'écran. Alors, vous tenterez donc de les identifier, hein, de qui je suis en train de présenter. Alors, elle est éco-sociologue, auteure, conférencière, communicatrice, bien connue pour son engagement social et environnemental, cofondatrice d'Équitaire, qui a collaboré au Pacte, et qui milite maintenant étroitement avec le mouvement Mères au front. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Elle est chercheure et enseignante à l'UQAM, en plus d'être conseillère spéciale au niveau environnemental. Elle s'est consacrée à plusieurs ouvrages, dont le plus récent livre qui s'intitule « La transition, c'est maintenant », paru en 2019 aux éditions Éco-Société. Et elle s'intéresse à la transition depuis longtemps maintenant et elle milite pour la mise en place d'une économie écologique et sociale au Québec. Je parle évidemment de Laure Varidel qui est avec nous. Bonjour Laure. Voilà. Maintenant, je sais que c'est des longues présentations, mais il mérite là, et elle mérite toutes ces présentations. Alors maintenant, je vous parle de la... Je vais faire la description. Vous êtes directrice générale de Réalité Climatique Canada, la branche canadienne d'une organisation internationale fondée par Al Gore et qui souhaite mobiliser les Canadiens et Canadiennes vers des solutions pour enrayer la crise climatique. Vous êtes titulaire d'une maîtrise en anthropologie de l'Université de Montréal. Vous êtes aussi parmi les membres fondateurs de Destination, une ambassade culturelle et artistique des Premières Nations, Inuit et Métis à Montréal. Vous avez siégé au sein de la Commission canadienne de l'UNESCO. Vous êtes passionné de justice environnementale et sociale et vous co-enseignez un cours sur les changements et la justice climatique à l'Université de Montréal. Je parle de... Levez la main. Andréanne Parent, voilà. Bonjour Andréanne. Bonsoir. Maintenant, notre prochain panéliste, ou prochaine, on ne sait pas. Voici sa description. Elle possède une maîtrise en sociologie et une impressionnante carrière de cinéaste documentariste. Elle est d'origine abénakise et vous rendez hommage, je vais parler à elle, vous rendez hommage à votre appartenance à la communauté des Premières Nations dans le cadre de votre travail artistique en faisant découvrir l'univers des Premières Nations. Vous avez collaboré puis produit plusieurs séries, films et documentaires, tant pour le grand écran que pour le web.
Votre dernier film, Je m'appelle Humain, est chaudement salué par la critique et s'est mérité de nombreux prix. Vous donnez également des conférences en milieu scolaire et institutionnel sur des enjeux qui touchent les Premières Nations. Vous avez cet automne, dans la foulée du drame autour de Joyce Echaquan, pris position pour demander une plus grande justice pour les Autochtones et une reconnaissance du racisme systémique par les instances gouvernementales. Je parle évidemment de, elle va lever sa main, Kim Obomsawid, qui est là. Merci beaucoup, Kim, d'être avec nous. Et le dernier, non le moindre, évidemment, notre dernier invité. J'ai passé par-dessus sa présentation, mon Dieu. Où est-il? Ah, il est là. Vous êtes un porte-parole de Greenpeace au Québec, où vous êtes en charge de la campagne climat-énergie depuis 2012. Depuis 2017, vous travaillez à protéger l'environnement et lutter contre les changements climatiques. Vous vous intéressez aux enjeux climatiques sous toutes leurs formes. Et vous avez à l'œil les politiques publiques québécoises, canadiennes et internationales. Parmi les choses qui vous insufflent de l'espoir, il y a toutes les mobilisations citoyennes qui foisonnent au niveau mondial, où on a de plus en plus souvent des victoires. Je parle de Patrick Bonin. Où est-il? Il est là. Voilà. Bonjour, Patrick. Alors, ils sont tous là. J'espère que je vais bien les entendre. On vous le dit, c'est notre première activité du genre virtuel. J'ai même un retour de son, donc ça se peut que ça soit un petit peu plus laborieux, mais on va tenter le tout pour le tout. Et on se lance. Alors, il y aura trois thèmes généraux. On va commencer immédiatement sans plus attendre. Il est 19h18. Tiens. On va commencer en parlant de société, aussi large que cela puisse être. Qu'est-ce que ça signifie d'abord, je lance ça comme ça, qu'est-ce que ça signifie pour vous, la transition? Quand on parle de transition, on transitionne de quoi à quoi? On va commencer avec Laure, tiens, Laure Varidel. Mais avec plaisir. Alors, il n'y a pas de définition exacte, en fait. On réalise que le terme « transition » est utilisé à toutes sortes de sources, un petit peu malheureusement, comme on l'a vu avec le développement durable, dans un moindre égard. Mais je dirais que c'est avant tout un processus de transformation. Quand on parle, par exemple, de transition socio-écologique, eh bien là, on parle de transformer la société, de la rendre plus écologique, donc d'aller vers un respect des limites planétaires et d'une plus grande justice environnementale. Ça, je dirais que c'est cette expression-là, c'est celle qui est au cœur de mouvements comme l'a été l'élan global ou comme le pacte pour la transition. C'est ce que je présente dans mon livre « La transition, c'est maintenant ». Mais souvent, quand on utilise aussi le terme transition pour parler plus de transition énergétique. Puis à ce moment-là, on se ramasse plus dans un discours qui est plus près des changements technologiques, de transformations qui sont plus sur les modes de production, de consommation et tout ça. Donc, moi, je dirais que la transition énergétique fait partie d'une transition beaucoup plus large qui est nécessaire de toute la société, donc d'une transition qui soit plus sociale et écologique. Merci beaucoup de la réponse. Patrick Bonin, la transition pour vous, c'est quoi? Ben, comme l'a dit Laure, on parle d'un changement sociétal total. Oui, évidemment, il y a des enjeux énergétiques, on le sait, il y a une réalité de changement climatique, il y a une crise de changement climatique, il y a une crise de biodiversité, mais il y a également d'autres crises au sein de la société. Pensez par exemple aux inégalités qui ne cessent de grandir entre les plus riches, les mieux nantis. Pensez, on l'a vu avec le mouvement Black Lives Matter, il y a eu énormément d'émergence justement de cette demande de justice sociale. Même chose évidemment pour l'accès au logement, pour la pauvreté, pour toute la question des migrants, des réfugiés. Donc on a un ensemble de problématiques sociétales qu'on veut régler, qu'il faut régler, et il faut tenter de les régler en faisant d'une pierre plusieurs coups. Donc de changer cette réalité où on s'en va et on vit déjà des bouleversements climatiques catastrophiques qui risquent de s'accentuer, où on a une perte de biodiversité. On est dans la sixième extinction de masse actuellement en termes de biodiversité, donc des taux de près de 1000 fois, voire jusqu'à 10 000 fois plus rapide d'extinction des espèces, et en même temps des crises sociales qu'il faut régler. Donc comment on peut faire en sorte de faire cette transition-là, d'investir comme gouvernement, de s'investir dans les communautés, mais pas seulement pour faire, en effet, des changements technologiques, mais pour faire des changements où on ne met plus nécessairement l'économie au centre des objectifs, mais le but est un but social, d'améliorer la qualité de vie des humains. L'économie est un moyen d'y arriver, mais ce n'est pas le seul. Donc, d'avoir
plus de temps, plus de qualité de vie, de recentrer, de recadrer nos valeurs et de sortir de ce mode de surconsommation et d'individualisme qui fait en sorte qu'actuellement, on a ces crises-là. Donc, c'est tout un chantier, mais de voir ce qui se passe au Québec, de voir ce qui se passe sur la planète actuellement dans les mouvements sociaux, dans les mouvements environnementaux. Et Transition Laval est un bel exemple de ça. Ça foisonne de partout et c'est possible maintenant. Black Lives Matter, pensez à Black Lives Matter. On n'en parlait presque pas et avec un malheureux événement ou deux malheureux événements qui se sont additionnés, eh bien, il y a eu une étincelle qui a fait en sorte qu'on n'en aura jamais autant parlé. On espère que ça va continuer à s'amplifier. Même chose pour les droits autochtones. Donc, c'est de changer cette tendance-là qui, d'un point de vue social, est très problématique, mais il y a de l'espoir, il y a plein de gens mobilisés. C'est ça qui est intéressant aussi. Merci beaucoup, M. Bonnet. André-Yann Parent, maintenant, qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette transition écologique? Bien oui, c'est sûr que ce qu'on dit mes collègues juste avant, ça fait évidemment écho avec beaucoup de la façon dont je conçois le concept de transition. Pour moi, c'est résolument un passage. On passe d'un monde qui est organisé autour d'un culte d'une croissance effrénée, une croissance qui se fait complètement au détriment des limites physiques de la planète et des êtres qui y habitent, pour aller plutôt vers un monde où les relations se fondent sur l'équilibre et l'harmonie. Alors, parler de transition, c'est dire qu'on veut, certes, que ce soit un passage, que c'est dynamique, mais on veut que ce soit intentionnel. On ne veut pas que ce soit un saut périlleux, finalement. Donc, comment on y arrive? Ça passe définitivement par un projet social ambitieux, mais qui est emballant pour tout le monde, toutes les parties prenantes qui vont le définir ensemble. Et on va aller dans cette définition-là, puis je pense que ça a été bien dit par Patrick et par Laure avant moi, mais vraiment au-delà d'une logique comptable des émissions de GES, ça inclut ça, mais pas seulement. On veut proposer quelque chose qui est résolument confrontant pour les mécanismes d'oppression qui ont rendu possible le dérèglement de notre société et pour se rendre finalement vers un modèle qui est résolument solidaire, qui est démocratique, qui est participatif et qui est profondément décolonial et antiraciste. Alors, ça va demander évidemment une forte adhésion de la société civile qui, bien au-delà de participer, on devient les co-créateurs, qu'on définit ça ensemble. Et comme le disait Patrick, la transition, elle est déjà en marche, en fait. On est déjà dans ce processus qui est amorcé. Alors, c'est de s'assurer qu'il va à la vitesse qui est nécessaire et qui est exigée par la science pour qu'on puisse arriver à une vie qui soit réellement saine pour tout le monde et toutes les espèces vivantes animées et inanimées également. Merci, André-Yann. Kim Obunsawin, de votre point de vue, là, c'est quoi cette transition? Ça représente quoi, entre autres, pour les peuples des Premières Nations, là, la transition en question? D'abord, je veux dire que j'arrive ici avec beaucoup d'humilité parce que je suis avec des champions de la transition écologique, puis je veux pas prétendre être moi-même aussi connaissante à ce niveau-là. Par contre, je pense que je peux être ici pour apporter, disons, comme un canal, hein, parce que ce dont je vais vous parler, c'est plutôt de ce que j'ai constaté depuis une douzaine d'années d'expérience dans les communautés autochtones, des témoignages, sur justement les changements, évidemment, que les communautés plus nordiques vivent, elles, au quotidien. Je pense que c'est une question pour nous en tant que premier peuple en ce moment. Donc, on entend le mot transition, les mots qui finissent en « ion », on parle beaucoup de réconciliation, c'est un terme qui est très controversé, disons. Donc, André-Yann, tu l'as nommé, le fameux mot « décolonisation ». Je pense que pour vraiment rêver ou croire à une transition écologique, je pense qu'il faut aussi s'engager en même temps dans un processus de décolonisation. Parce que pour moi, les premiers peuples ont vraiment doivent avoir leur place dans cette transition-là parce que les savoirs sont là. Et puis, ça fait trop longtemps qu'on les met de côté au profit de la science occidentale et tout ça, et qu'il y a ce manque de reconnaissance immense de la part des institutions. Et puis, ben tranquillement, moi, je le vois depuis 5 ans que les enjeux qui touchent les premiers peuples, soudainement, on est beaucoup à la mode. Les gens sont en quête de sens. Quand on parle d'écologie, bien sûr, mais tout ce qui est des valeurs néolibérales où on ne sait pas trop où est-ce que ça nous amène dans la pandémie actuelle, tout le monde est un peu en quête de réponses, de sens, puis je le vois.
tout le monde se tourne vers nous. C'est pour ça que vous m'avez invité ce soir, je pense. Puis j'ai essayé d'apporter ma contribution du mieux que je peux, comme je le dis. Mais je pense que c'est ça. Donc, c'est de faire preuve d'ouverture d'esprit, puis de. C'est une question de reprendre notre place, puis de décoloniser les esprits beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Autre question que nous avons ici, comment pourrons-nous là, collectivement arriver à opérer des changements dans notre société, tant au niveau social qu'environnemental, parce qu'on sait que c'est à travers des gestes collectifs qu'on va y arriver, mais comment on va y arriver donc à ces changements-là? Commençons par Patrick. C'est une vaste question, mais à la base, pour changer, il faut prendre conscience des enjeux, des problèmes. Donc, il y a tout un travail à faire de personnel, je dirais, à la base, là, de s'informer, d'être conscient de la réalité, de se poser la question aussi, de partir de soi, là, de se poser la question si tout le monde agissait comme moi, par exemple, qu'est-ce qui arriverait? On est 8 milliards d'êtres humains sur la planète. Mais de l'avoir également à d'autres échelles, ce qui est plus difficile à faire. Mais lorsqu'on parle, par exemple, d'une municipalité, la base, le départ, c'est d'être capable de diagnostiquer, donc de faire un état de la situation et par la suite de faire des priorités, de se donner des objectifs, des plans pour les atteindre et d'élaborer tout ça en collaboration avec les communautés pour et par les communautés, parce que c'est un milieu de vie. Et quand on parle de transition, c'est majeur ce qu'on doit faire. Évidemment, on peut penser, par exemple, à la manière de se déplacer. Pour le cas de Laval, c'est central comme enjeu de recadrer ça, que c'est la principale source d'émissions de gaz à effet de serre à Laval. Et on sait que le développement passé a laissé un héritage majeur qui va demander un changement drastique et du courage politique. Mais pour y arriver, il faut également l'implication des communautés. Et ça, le transport, c'est une chose, mais pensez également à toute la manière de se loger, à l'habitation, à l'urbanisme, à la manière de structurer la société de Laval. Des enjeux d'urbanisme, on en a vu dans le passé, ça a donné malheureusement un étalement urbain et les enjeux à Laval, mais c'est aussi la manière de se nourrir, d'où vient l'agriculture de, le plus possible de proximité, la manière évidemment de se chauffer, d'où on peut envisager des changements majeurs. Donc c'est aussi le tissu urbain, c'est l'augmentation de la canopée, donc on ne peut pas faire ça tout seul chez nous dans notre cour. On peut faire des choses d'un point de vue individuel et c'est important de le faire, mais ça prend également des gens qui vont accompagner, qui vont pousser la communauté pour le faire. Et le niveau municipal, c'est le premier niveau, je dirais. Pas le premier parce que vous avez communautaire et des enjeux de quartier également où c'est possible de s'impliquer et de changer des choses à cette échelle-là. Mais le niveau municipal permet aussi de changer concrètement son environnement, de changer concrètement la réalité. Et je pense que ça prend davantage d'ouverture aux communautés, davantage d'implication des citoyens, des citoyennes, des groupes comme Transition Laval également, dans le processus d'élaboration de ce qu'on doit faire et relever comme défi qui est majeur. Juste vous mettre le cadre, je pense qu'on doit, quand on fait un diagnostic, il faut aussi regarder où on doit s'en aller par rapport à la science. Et la science, elle nous dit, il faut couper nos émissions mondiales de CO2 de moitié dans les 10 prochaines années. Il faut se départir complètement des hydrocarbures d'ici 30 ans. Et ça, c'est au niveau mondial. Et on est un pays développé, il faut y aller encore plus vite. Donc, ce sont des défis majeurs et on n'y arrivera pas si on n'implique pas les communautés, si elles ne sont pas centrales dans l'élaboration des plans et dans les diagnostics. Patrick a abordé la question d'urbanisme et j'ai vu Laure hocher la tête. Je pense que c'est un point de vue municipal quand même assez intéressant parce que ça implique qu'il y a beaucoup ça a de l'impact, veut pas, de la planification de l'urbanisme. Laure, vous, comment on peut opérer comme ça collectivement les changements? Moi, je pense que ça prend effectivement des changements systémiques parce que là, ça fait déjà depuis 92 qu'on parle de crise environnementale, qu'on parle de la nécessité de réduire l'empreinte écologique puis que finalement, on n'y arrive pas. Fait que ça prend des changements beaucoup plus importants que ce qu'on a essayé de faire jusqu'à maintenant. Et ça, selon moi, ça va arriver si on parvient à changer de paradigme. C'est-à-dire que si on regarde toujours le monde à travers les mêmes lunettes, en misant toujours sur le même modèle de développement
développement qui est basé sur la croissance économique, on le dit, puis une unité de mesure qui est le PIB qui ne tient compte uniquement de ce qui se calcule en dollars, alors que si on parle si on se pose la question à nous tous ici maintenant, si je vous demande qu'est-ce qui compte le plus pour vous, mais ce que je risque d'entendre, en tout cas si je me fie à ce que j'entends quand je pose la question autour de moi lors des conférences, on parle de notre famille, de notre communauté, des gens qu'on aime, on parle de notre environnement immédiat, puis très souvent, en fait, on réalise ce qui est vraiment important pour nous quand on le perd, hein, quand on perd un être proche, quand on est malade, quand les droits humains sont affectés, on réalise à quel point la liberté, la sécurité sont importants. C'est vrai pour la valeur de l'eau même. Hein? On a l'habitude de prendre de l'eau ici du robinet, mais moindrement qu'on voyage ou qu'il y a quelque chose, on réalise à quel point avoir de l'eau potable, c'est précieux, même quand on va dans certaines communautés autochtones hein, qui, paradoxalement, n'ont même pas accès à de l'eau potable. Fait qu'il y a plein de non-sens comme ça qui sont à transformer, qui exigent un changement de paradigme, donc un changement de valeur quant à ce qu'on juge qui est bon de faire ou pas bon de faire quelque part. Il faudrait que nos décisions puissent passer à travers un prisme qui fait en sorte que chaque fois, on se pose la question, est-ce que ce choix-là, puis bon, je parle pas juste des choix individuels, je parle surtout des choix collectifs, est-ce que ce choix-là nous amène vers le monde que l'on souhaite léguer à nos enfants ou au contraire, ça nous amène à une plus grande destruction du monde? Puis quand on se met à faire ça, on réalise qu'il y a tellement de décisions qui sont prises uniquement sur le court terme et basées sur des envies plus que sur des besoins et que si on veut revoir ça, ça prend des choix collectifs qui sont différents. Si on parle par exemple de la voiture, hein, qui est un problème central par exemple pour le Québec si on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, souvent on entend « j'ai besoin d'une voiture ». Puis c'est vrai, dans plein de milieux, si on veut se déplacer, on n'a comme pas le choix d'avoir une voiture. Mais le vrai besoin, c'est de se déplacer du point A au point B. Comment est-ce qu'on en vient collectivement à mettre en place des transports collectifs, par exemple, à aménager notre territoire différemment pour pouvoir le faire en limitant les émissions de gaz à effet de serre au minimum. Donc, ça implique, oui, de réorganiser notre territoire à l'échelle locale, puis plus globalement, qu'il y ait une cohérence avec l'ensemble des décisions qu'on prend à d'autres échelons. Donc, ça me semble fondamental. Puis quelque chose, des fois, que je me dis qu'on dit pas assez, mais j'ai l'impression que tout ce qui vient avant ça, qui est nécessaire, c'est de réaliser qu'on a tous beaucoup plus de pouvoir qu'on serait porté à croire. Parce que je pense que le cynisme est une des plus grandes, une plus grande barrière au changement, à la transition qui est nécessaire. Parce qu'on a l'impression que les problèmes sont tellement grands, mais au fond, quand on s'y attend, on réalise qu'on fait tous partie tant des problèmes que des solutions, puis qu'on a tous tellement, mais tellement plus de pouvoir qu'on serait porté à croire. Quand on prend la parole, quand on s'implique, on finit par créer un effet boule de neige qui transforme la société. Je pense que le Québec a un grand, grand potentiel pour faire ça rapidement parce qu'il y a peu de degrés de séparation entre chacun de nous. Donc, à partir du moment où il y a une bonne idée, ça peut aller très, très, très vite si on tisse les liens qui sont nécessaires. On a vécu une révolution tranquille où il y a eu des grands changements systémiques, des grands changements de société qui ont eu cours. Moi, je pense qu'on est capable de refaire la même chose et de devenir un modèle pour l'ensemble des sociétés de la planète, en tout cas pour l'Amérique du Nord. Et je pense que ça va aussi passer effectivement par un rapprochement avec les Autochtones. Quand je parle de changement de paradigme, je pense que la vision des Autochtones quant à notre rapport à la nature, c'est-à-dire qu'on est l'air qu'on respire, on est l'eau qu'on boit, on est la terre qui nous nourrit. Donc, cette très forte dépendance et ce regard par rapport aux ancêtres, finalement, et qu'est-ce qu'on lègue à nos enfants, moi, ça me semble fondamental. Je pense qu'on a beaucoup, beaucoup à apprendre des Autochtones. Absolument. Quand on parle de collectif, évidemment, on va revenir à la base, c'est-à-dire on va parler de l'individu, du citoyen en tant que tel. Alors, les citoyens se demandent souvent ce qu'ils peuvent faire face aux grandes crises, qu'elles soient sociales, culturelles ou environnementales, et on se sent, soyons honnêtes, on se sent tous impuissants. À l'échelle individuelle, on se dit que c'est plus grand que nous, c'est plus fort que nous.
Quel est, selon vous, et là, je pose la question à tout le monde, là, quelle question, selon vous, le rôle des citoyens dans la transition? Qu'est-ce que le citoyen peut, dans le concret, faire? Tiens, retournons peut-être avec Laure ou avec quelqu'un qui veut tout de suite... Oui, allez-y, Kim Obasawin. Bien, c'est juste parce que j'aimerais rebondir sur ce que Laure vient de dire. Oui, oui. T'sais, on parlait de décolonisation tantôt, puis ça passe aussi par une auto-décolonisation de nous-mêmes aussi, puis je le vois chez les jeunes aussi, c'est que notre rapport au territoire est brisé. J'annonce pas quelque chose de nouveau. Là. Et puis, tranquillement, on est en train d'essayer de le réparer, ce lien-là qui est vraiment fondamental. Puis là, je parle pas juste pour les Premières Nations, pour tout le monde. Parce qu'il faut pas non plus avoir une vision magique de dire que les Premières Nations ont la réponse à tout, parce que si vous allez dans nos communautés, c'est assez... Moi, ce que j'entends, en tout cas, les gens que j'amène dans les communautés, c'est, ben voyons, il y a donc bien des déchets partout, puis il n'y a pas de recyclage, on ne parle même pas du compost, on a l'air d'être 40 ans en arrière. Mais tout ça, c'est un effet de 200 ans de colonialisme, d'être parqué dans des réserves. Donc, tout ça a eu un impact immense chez nos jeunes. Mais j'ai un exemple récemment qui me permet d'avoir espoir que oui, on peut encore faire vraiment partie de la solution, parce que les aînés qui possèdent ces connaissances-là existent toujours. Et puis, les jeunes ont eu récemment, dans les communautés plus nordiques, une espèce de waking call. L'approvisionnement en nourriture dans le Nord, on le sait, c'est un problème depuis toujours. Évidemment, avec la pandémie, c'est un problème qui est devenu insensé. Les jeunes se sont mis à comprendre l'importance de retourner dans le bois, de reprendre ces savoirs-là, puis de réaliser à quel point l'autosuffisance, soudainement, ça pouvait sauver des vies, en fait. Donc, c'était plus juste le grand-père ou le père ou la mère fatigant qui veulent nous amener dans le bois, faire des affaires plates, puis nous tirer nos jeux vidéo. Finalement, c'est devenu extrêmement concret. Puis, donc, pas seulement qu'à travers la pandémie, là, je le vois depuis quand même plusieurs années que les jeunes veulent. Il y a vraiment un mouvement de retour vers le territoire. Et plus on va vers le nord, plus c'est vrai. Donc, puis plus on va vers le sud, plus il y a encore de travail à faire. Puis je dirais que mon impression, c'est que quand je vais en communauté, puis après je reviens en ville, je vois tellement un décalage gigantissime que je me dis que c'est ça. Donc, dans les grandes villes, ce lien au territoire-là, il nous apparaît vraiment, tellement loin de nous. Et puis, je n'ai pas la réponse, je n'ai pas de baguette magique, je ne sais pas ce que ça va prendre pour le recréer, ce lien-là. Mais je pense que là où les Premières Nations peuvent jouer un rôle, c'est justement en nous partageant leur vision du monde. Et puis, c'est ce que moi, puis plein d'autres créateurs, auteurs et tout ça, en essayant de transmettre nos histoires, ben les histoires, en fait, les histoires des anciens, qu'on peut peut-être apporter notre certaines pistes de solutions, si je pourrais dire, bien humblement, encore une fois. C'est bien dit. Andréanne Parent, ce serait quoi le rôle du citoyen, là? Qu'est-ce que le citoyen doit faire pour que des changements s'appliquent? Oui, bien, je pense que c'était bien amené par Kim, par Laure également, à quel point on a des solutions, à quel point, en fait, une relation fine et intime du territoire basée sur des millénaires de relations et d'observations qui font que... Il y a des aînés qui sont capables de transmettre des modes de vie alternatifs, qui sont capables de présenter des façons d'interagir qui sont justement ancrées dans des relations équilibrées et harmonieuses. Alors, ce qu'on voit au niveau des citoyens, c'est un sentiment tout à fait légitime, cette espèce de sentiment d'impuissance, et que finalement le problème est déjà plus gros que nous et qu'on ne va pas être capable de l'attraper, on l'a déjà échappé. C'est sûr qu'en regardant dans un prisme individuel, on va avoir ce sentiment-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point qu'on amène la conversation en dehors, justement, des cercles d'experts ou des chapeaux avec des titres longs comme le bras. On se rend compte, en fait, comment les conversations climatiques affectent
tout le monde, justement, à quel point on fait tous partie des observateurs et des personnes qui sont impactées par ce qu'on observe. Et à ce moment-là, on se rend compte que toutes ces personnes-là ont aussi une expertise de leur propre milieu de vie, de leur propre milieu professionnel, de leur propre communauté, qu'elle soit ethnique, encore une fois, professionnelle ou alors de loisirs, et qu'à ce moment-là, si ces gens-là sont outillés pour parler de la façon dont on peut porter des solutions dans leur propre milieu, on est capable d'activer quelque chose. On voit que les citoyens, lorsque outillés pour identifier justement comment ça se traduit pour eux, sont capables de résilience, évidemment. Ils sont capables aussi de définir des solutions. On le voit ne serait-ce que par l'organisation de cet événement, c'est un témoignage de comment on a besoin de ces conversations-là, on a besoin d'échanger sur les meilleures pratiques et comment, par des gestes mis à l'échelle collectivement, on est capable de faire quelque chose d'ambitieux. Alors, ce qu'il ne faut pas omettre quand on parle de citoyens, c'est comment on est capable aussi, dans la société dans laquelle on vit, de traduire nos intentions dans des politiques publiques. Et je pense que Patrick en parlait. Donc, quand on va manifester dans la rue, ça envoie un message symbolique extrêmement fort. L'étape suivante qui est essentielle, c'est que ça se traduise concrètement par des politiques qu'on va être capable de mesurer et de tenir nos élus imputables par rapport aux engagements qu'ils ont pris et que ça a un impact réel pour changer, justement, réduire nos émissions, comme on le dit, mais aussi changer les milieux de vie, changer les facteurs de pression qui rendent tout ça possible. Alors, on revient toujours à ce discours-là sur la solidarité qui est fondamentale et sur la définition des privilèges. Alors évidemment, réfléchir à des gestes individuels, ça ne pourra jamais être accessible si ce n'est pas porté par des facteurs d'équité qui rendent que c'est vraiment accessible. Faire sa patte à dents la fin de semaine, qu'on est dans une situation monoparentale, qu'on doit travailler avec deux emplois et qu'on a trois enfants, on ne règle pas le problème. Par contre, de créer des facteurs structurels qui rendent accessibles ces solutions-là, qui proposent des modes alternatifs aux coopératives de transport, qui offrent des modes de consommation qui sont ancrés dans une relation harmonieuse au territoire et qui sont locales, qui encouragent des producteurs ou des chasseurs locaux, on arrive à quelque chose qui, collectivement, crée un tissu social beaucoup plus serré où on est capable d'être solidaires et de se porter les uns les autres et surtout de justement briser ce cynisme-là et de devenir des parties prenantes à nos politiques publiques et de se rapprocher de cette démocratie participative, finalement, pour que cette transition-là aille jusqu'au bout des ambitions qu'on peut lui donner. Mais pour qu'on atteigne la structure, il faut que ça passe par le politique et il faut vouloir convaincre le citoyen qui est à la base, évidemment, des élections, des élus. Patrick Bonin, ce serait quoi les bons mots à dire pour convaincre, une fois pour toutes, un citoyen qu'il faut s'attaquer au changement, là, il faut faire cette transition? C'est quoi les mots à dire pour convaincre? Je pense que Laure l'a mentionné, c'est les gens doivent comprendre à quel point ils ont un pouvoir en tant que citoyen. Si on regarde au niveau de la compréhension du problème, de la reconnaissance, par exemple, de l'urgence climatique, tous les sondages le disent depuis plusieurs années, et c'est en augmentation à chaque année, les gens reconnaissent que les changements climatiques, reconnaissent qu'il y a une urgence, c'est la même chose pour la biodiversité, et sont prêts à agir et demandent à ce que les gouvernements en fassent davantage. Évidemment, avec la COVID, les priorités se sont concentrées sur la COVID, sur la santé, et c'est normal, mais c'est interrelié aussi. Mais là où les gens doivent aussi comprendre, c'est qu'ils ont un pouvoir d'influence énorme. Et ça, ben oui, ça passe auprès de nos députés. Et ce qu'il faut faire une fois qu'on a été conscientisé, qu'on veut agir, ben c'est qu'on a un pouvoir d'agir. Et ça, ben il faut pas le sous-estimer parce qu'autant au niveau municipal, provincial et fédéral, les députés, ils sont sensibles à l'opinion publique, particulièrement quand on s'en va en période d'élection. Donc, on a des élections qui s'en viennent bientôt. Les gens doivent se préparer à ça. Et même quand on n'est pas en période d'élection, il faut également investir, je dirais, la vie démocratique. Et ça, ben, ça peut passer autant par un coup de téléphone ou un courriel à votre député, lorsque vous voyez et les connaissances, on parlait des connaissances territoriales et d'habiter le territoire, ben, c'est vrai que les meilleures personnes qui sont les mieux placées pour connaître leur territoire, pour connaître les solutions, pour connaître les problèmes, ce sont ceux qui l'habitent, ceux et celles qui l'habitent. Et ça, ben, il ne faut pas sous-estimer aussi le fait qu'il y a plusieurs personnes autour de vous qui sont aussi prêts à agir. Et des fois, ça prend des organisations comme par exemple Laval en transition pour créer des endroits où ces gens-là puissent se reconnaître, puissent se retrouver et puissent trouver les moyens d'aller chercher d'autres personnes. Et l'effet boule de neige, il ne faut pas le sous-estimer.
je vais vous donner un exemple de à l'aube des élections provinciales, les dernières élections, il y a un groupe de citoyens qui s'appelait La planète s'invite au Parlement. Ils ont commencé par une manifestation à la fin août où il y avait à peu près 100 à 200 personnes dans le Vieux-Montréal et ils ont organisé des manifestations à toutes les semaines pendant la campagne électorale et le mouvement a fait boule de neige et la dernière manifestation, ils étaient 50 000 personnes. Donc, il y a de ça où les gens doivent comprendre aussi qu'on peut créer le changement, que le changement n'est pas linéaire aussi et qu'il y a plein d'autres personnes qui sont prêtes à agir. Et regardez la manifestation où on était 500 000 personnes à Montréal pour le climat le 27 septembre 2019. Ça paraît très loin, mais ça fait à peine un an. Eh bien, c'était comme ça à Montréal, mais c'était partout sur la planète avec près de 8 millions de personnes qui étaient mobilisés pour le climat. Et ça, ben, c'est latent et les gens ne demandent qu'à agir. Et on l'oublie souvent, quand, particulièrement en période de pandémie où c'est difficile de rejoindre et de créer ce genre d'événement, voire impossible à part virtuellement. Mais ce feu qui couve, ça prend souvent juste une étincelle pour le dégager, pour permettre le changement sociétal dont on a besoin. Et ça, je pense qu'il faut le garder en tête. Au-delà de notre agir individuel, on a un énorme pouvoir collectif. Kim Obum-Sawin, est-ce qu'on a des mots précis pour convaincre de votre côté aussi les citoyens? Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les convaincre? Mon Dieu. On devrait s'intéresser à quelles questions? Bien, je pense que tout le monde a besoin d'un peu de voir pour le croire puis agir. Donc, il ne suffit pas de grand-chose des fois, mais de faire des petits gestes. Et puis, c'est ce que les gens me demande tout le temps, oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Pas nécessairement par rapport à la transition écologique, mais par rapport aux injustices sociales, etc. Puis je leur dis, oui, mais allez à la rencontre de, intéressez-vous, soyez curieux, regardez des films, lisez des livres. Ça a l'air banal, mais malheureusement, le système d'éducation étant ce qu'il est, il n'apporte pas toutes les réponses dont on a besoin en ce moment. C'est pas vrai qu'on forme des super citoyens, là. Moi, j'ai un exemple très précis. J'envoie mes filles à l'école alternative. Je pense avoir fait un super geste citoyen. Puis je me rends compte que c'est pas la panacée non plus. Donc, il faut vraiment faire des efforts individuels. Puis on est dans un mode de vie où parfois on est fatigué. Puis le soir, on rentre chez nous, puis on a juste le goût d'ouvrir la télé. Puis ça devient difficile de se dire, bien, je vais ouvrir un bon livre de Laure Varidel, qui est une fantastique auteure, mais je vais le faire. Tu sais. Mais malheureusement, c'est ça, en fait, qu'il faut faire. Puis prenez vos vacances au Québec, tu sais, puis allez à la rencontre des peuples autochtones, allez voyager dans les powwows, intéressez-vous, connectez-vous. Forcez-vous à aller dans la nature pour se reconnecter. Ça fait du bien à tout le monde. Ça fait pas juste du bien. Ça appartient pas aux Premières Nations. Tu sais, les gens disent, ouais, mais non, ça fait du bien à tout le monde, là, aller dans le bois, là, faire un lien avec la nature. Donc, c'est par les... C'est pas mal ça qu'on a à faire présentement. Là. C'est pas promis dans le bois. On a rien à faire, mais là, on le voit. En fait, la pandémie nous aura apporté ça et d'autres affaires positives. Mais oui, on le sent, les gens, cette volonté. D'ailleurs, j'essaie de mâcher des skis de fond. Si quelqu'un en a, il y en a plus. Tout le monde alors, on appelle à tous. Alors, les gens peuvent écrire présentement. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup. Oui, effectivement, ce sont des belles suggestions. Tiens, on va parler maintenant on en a parlé un peu, là, des crises sociales et sanitaires. Il y a eu plusieurs crises, évidemment, on les a tous vues. On a tous été secoués par ces crises-là, que ce soit Idle No More ou Black Lives Matter ou même le mouvement MeToo. Selon vous, est-ce que ces crises sociales sont reliés, est-ce qu'ils ont un lien aux crises environnementales actuelles? Est-ce qu'on peut réussir à faire un lien? Parce que je vous ai entendu un peu parler de certaines de ces crises-là. Tiens, allons-y avec peut-être Andréanne. Tiens, Andréanne. Oui, absolument. En fait, ce que ça vient mettre en exergue, c'est à quel point tout est profondément, intersectionnel, mais ou connecté, interrelié. En fait, profondément, les crises ont des sources communes, ont une relation extrêmement violente vis-à-vis de notre milieu de vie, de la nature, et on reproduit cette même violence-là dans les relations entre les êtres humains, entre nous, en créant même parfois des systèmes de hiérarchie entre humains. Et donc, évidemment, ce qu'on voit, c'est que c'est des crises comme par exemple celle de la pandémie vont venir exacerber les facteurs de défavorisation, les facteurs de vulnérabilité de certaines populations. Et donc,
Toute crise va avoir cet effet-là. On a une responsabilité collective de créer des mécanismes pour finalement enrayer ça. Et donc, quand on parle d'un projet de société, c'est aussi dire justement qu'on ne veut plus, on refuse de vivre dans un monde qui est aussi justement ancré dans des valeurs coloniales et racistes. On se positionne profondément et résolument comme dans des paradigmes qu'on veut changer. On veut changer profondément nos manières d'interagir les uns avec les autres et aussi embrasser une façon différente, finalement, de réfléchir le vivre ensemble qui permette de créer une plus grande équité. Et alors, évidemment, on voit qu'on n'est pas égal, nous ne sommes pas égaux, d'ailleurs, par rapport aux différentes crises et qu'il y a des gens, justement, dans la pandémie, on voit qui sont affectés de façon absolument disproportionnée. On voit, ce sont ces mêmes personnes qui sont également affectées de façon disproportionnée par ce qu'on appelle le racisme environnemental. Donc, ils sont surexposés à des nappes phréatiques contaminées, qui sont surexposés à la pollution de l'air, qui ont d'ailleurs une espérance de vie qui est du coup beaucoup plus courte que d'autres groupes de population. Et donc, ces facteurs-là viennent des mêmes sources. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de transition. Et c'est pour ça que quand les populations s'élèvent pour dire que ça suffit, et qu'on doit collectivement condamner ça, on a une responsabilité collective de répondre à l'appel et de définir un projet qui amplifie non seulement les voix qui les portent, mais qui amène des vraies solutions qui permettent de briser finalement ces mécanismes-là d'oppression. Ça va être fondamental et on voit à quel point effectivement ces mouvements-là, le momentum n'est pas pour rien en fait, c'est que c'est trop tout le temps et qu'à un moment donné, les gens sont au bout du rouleau. Et donc, on doit répondre à l'appel et on doit utiliser justement les privilèges que certains d'entre nous ont pour faire face à ça, écouter, amplifier et surtout s'assurer effectivement qu'on arrête profondément cette violence-là les uns envers les autres. Et ça va aller, comme je le disais, jusqu'à notre relation avec les autres espèces et avec notre planète, en fait. C'est les mêmes dynamiques qu'on reproduit, malheureusement. Donc, il y a un réapprentissage là, qu'on doit faire collectivement pour s'ancrer dans de l'empathie, dans de la compassion également. Kim Obomsawin, maintenant, est-ce que vous avez un ajout à faire là-dessus? Ben, je ferai une analogie. Andréane parle d'intersectionnalité. Chez les premiers peuples, on aime parler du cercle, qu'on a besoin toujours de compléter le grand cercle. Hein. On est nous-mêmes sur une grosse boule, la Terre, qui tourne autour d'une autre grosse boule, le Soleil. Et puis donc, si on n'arrive pas à justement respecter tous ceux qui font partie de ce grand cercle-là, ben on va arrêter de vivre. On approche, comme le disait Patrick, de notre extinction de masse. Et puis, c'est ça. Donc, d'arrêter de se croire supérieur à ce qui nous entoure. Les forces de la nature sont bien plus grandes et bien plus fortes que nous. Voilà. Oui. Oui, bien dit, bien dit. Tiens, j'aimerais tous vous entendre maintenant. Patrick en a parlé d'ailleurs du rôle des municipalités hein, dans la transition. Je pense que c'est majeur, c'est primordial. Et comment peut-on faire pour que les élections de novembre prochain mettent la transition à l'avant-plan? Alors là, je veux vous entendre. Tiens, allons-y avec Laure. Ah ben c'est une très, très bonne question. C'est drôle que, ben, en fait, parler des élections, puis comment faire en sorte qu'elles mettent l'environnement au premier plan quant aux propositions de tous les candidats, parce que c'est ce qui devrait arriver, ce que l'on souhaite si on veut amener à bien la transition. Et il y a justement un petit groupe de maires au front dans Bromissiquoi qui réfléchit à ça et qui se disait, qui nous proposait de voir comment est-ce que à l'échelle de chacune de nos villes, et de nos municipalités, on encourage, on fait un travail d'équipe pour faire en sorte de soutenir des candidatures de personnes qui portent cette vision-là de la transition au pouvoir. Parce que ce qu'on remarque souvent, surtout dans les petites municipalités où il n'y a pas nécessairement de salaire rattaché avec les postes en place, c'est beaucoup typiquement des hommes blancs à la retraite, donc des hommes blancs de plus de 55 ans ou 60 ans
qui, il y en a plein des merveilleux, là, j'en ai marié un comme ça, mais qui ont quand même une vision qui est assez particulière. Donc, on aurait besoin d'une diversité de gens qui portent d'autres préoccupations, d'autres visions du monde. La question de l'empathie qui a été nommée par André-Yann et puis Kim aussi autrement, je pense que c'est fondamental parce que c'est effectivement à l'échelle municipale que se prennent énormément de décisions qui ont à voir avec la transition. Qu'on parle dans l'aménagement du territoire, qu'on parle du verdissement, donc tant de verdir des lieux existants que de protéger. On sait, là, il y a une pression pour l'urbanisme qui est très, 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 très forte, en fait, pour des nouvelles constructions, des nouveaux développements. Il y a un gros enjeu partout autour de Montréal, mais même dans des petites municipalités, on le voit. Donc, il y a besoin d'avoir des gens qui vont protéger nos milieux naturels si on veut protéger la biodiversité. C'est fondamental. Les anciens golfs, il ne faut pas les laisser aller avec des projets de développement. Je sais que Patrick est impliqué dans un projet à Rosemère, mais il y a des projets comme ça à travers tout le territoire. C'est des lieux qui sont souvent très proches des villes ou même dans les villes qui peuvent être des espaces justement où on peut recréer des liens avec la nature sans avoir à prendre la voiture. Donc, à l'échelle municipale aussi, beaucoup de décisions qui sont liées même avec les lieux de production. Qu'est-ce qu'on permet de produire de la nourriture, d'avoir des marchés publics, plein de décisions prises par rapport à la santé. Est-ce qu'on peut avoir des corridors pédestres pour que les enfants aillent à l'école, développer tout le volet des saines habitudes de vie, en fait, beaucoup dépendent de décisions qui sont prises dans les municipalités. Fait que c'est des élections qui sont extrêmement importantes. Donc, tous ceux et celles qui nous écoutent, là, moi, je vous encourage à vous présenter aux élections municipales. Si vous portez des valeurs, vous pensez que vous pouvez contribuer à pousser plus loin la transition, je vous encourage vraiment à le faire, puis à vous entourer. Créons des petites unités de soutien, parce qu'une personne, des fois, on a l'impression que c'est trop, mais si on est plusieurs, surtout souvent aussi, c'est difficile pour les mères qui ont des enfants, par exemple, parce qu'il y a la préoccupation de s'occuper des enfants, mais si on crée des réseaux autour pour se soutenir, il y aura moyen de faire changer des choses puis d'avoir vraiment... Qu'on fasse une grande vague l'année prochaine, à partir du 7 novembre, de candidats et qui seront d'élus, qui auront donc la transition à cœur, qui sont capables de faire ce lien-là avec les citoyens, puis avec la protection de l'environnement, une plus grande justice sociale, évidemment, parce que ça oui. va avec ça. Et peut-être votre conjoint, plus de 50 ans, qui est merveilleux, hein, c'est ça? Alors, peut-être qu'il va se présenter, c'est pas. Patrick Bonin, Greenpeace, qu'est-ce qu'on fait avec les municipalités? Comment on peut vraiment conscientiser, donc, au niveau municipal? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut prendre conscience. En fait, je parlais tantôt de l'importance d'avoir des outils de diagnostic pour les municipalités, d'exiger des plans, de fixer des objectifs aussi. Si les municipalités ont les objectifs, c'est plus facile par la suite de les suivre. La plupart, et Laval en fait partie, des municipalités, ou du moins il y en a 400 au Québec, qui ont adopté une déclaration d'urgence climatique. Imaginez, elles ont dit, il y a une urgence climatique, on doit agir. Mais il y a peu de municipalités qui ont suivi. Donc, il faut s'assurer de talonner les municipalités, les pousser pour qu'elles prennent des engagements, mais aussi les talonner pour qu'elles les respectent. Elles ont des capacités également d'éducation et de communication qui sont énormes, donc d'interrelation avec leurs concitoyens, concitoyennes. Et ça, bien, il faut en profiter. Lorsqu'on parle des élections à venir, je partage totalement l'avis de Laure. Il faut s'assurer qu'il y ait des candidatures vertes qui soient faites. Il faut s'assurer que ces candidats-là soient capables de se parler aussi, donc d'être à l'affût de ce qui se passe dans votre municipalité, de vous rallier ensemble idéalement pour justement proposer des alternatives, ou également de pousser les partis actuels qui risquent de se représenter à avoir des plateformes solides en environnement. Par exemple, il y a la possibilité de proposer des questionnaires aux différents partis qui se présentent de manière à pouvoir les évaluer. Il y a également la possibilité d'organiser des débats pour faire en sorte que l'enjeu environnemental et de la transition plus largement soit central, d'exiger que ces partis-là arrivent avec des propositions concrètes et par la suite d'exposer justement quels sont les meilleurs partis en ce sens. Et une fois les élections passées, je vous rappelle que les municipalités, c'est probablement le niveau de gouvernement où c'est le plus facile d'avoir accès à ces élus, le plus facile d'aller participer à des conseils municipaux qui se produisent à toutes les semaines.
Et là, c'est particulier en temps de pandémie. Je vous avoue, c'est beaucoup plus compliqué. Mais normalement, il y a de cet aspect-là qui n'est pas encore suffisant, mais qui permet au moins un niveau de démocratie accessible. Et idéalement, c'est de renforcer et d'élargir cette démocratie-là pour ne pas qu'elle se limite à ces conseils-là, mais d'avoir... Il y a des budgets participatifs, par exemple, qui existent dans certaines communautés. Le plateau Mont-Royal, par exemple, fait ça. Donc, d'avoir des budgets qui sont votés et les gens votent pour l'utilisation de ces budgets-là, mais aussi d'avoir des capacités de sonder les populations sur différents enjeux, au-delà, évidemment, de les sonder une fois aux quatre ans. Il y a une panoplie de décisions où les gens peuvent être impliqués dans le processus décisionnel, donner leur opinion, et ça, bien, il faut exiger de la part de nos élus de faire en sorte que ce système démocratique-là permette davantage de participation, qui est également, je dirais, même des budgets pour les organisations locales qui participent à la vie démocratique, qui sont capables de rallier les gens, d'éduquer, de porter des campagnes de sensibilisation et de permettre le changement sociétal dont on a besoin. Oui, Patrick, il faut rappeler aux gens qui peuvent se mobiliser à l'année longue, là, à travers des regroupements. André-Yanne, il existe des groupes là, auxquels peuvent participer les citoyens pour se motiver et faire des actions concrètes. Là. Absolument. Je pense qu'on a bien compris à quel point les villes sont un peu la clé de voûte, si vous voulez, de la lutte au changement climatique, autant au niveau des compétences en matière de transport, pour édicter les règlements, la planification urbaine, la gestion des déchets. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites au niveau municipal. Puis effectivement, les citoyens ont le pouvoir de vraiment amplifier les ambitions de leurs gouvernements locaux et de les tenir en putable des engagements pour ceux qui en ont déjà pris, qu'ils ont pris. Puis au projet de la réalité climatique, pour vous donner un exemple concret d'initiative citoyenne. On coordonne l'initiative des carrefours climatiques communautaires et l'idée vraiment, c'est d'accompagner les citoyens pour accélérer la transition au niveau des villes. Alors, comment on est capable de faire ça? C'est qu'on soit met en réseau des groupes de citoyens qui sont déjà existants, qui sont déjà mobilisés pour qu'ils échangent leurs meilleures pratiques entre eux, ou alors on va rassembler des citoyens qui sont justement un peu isolés, mais qui veulent faire quelque chose, et les mettre ensemble et les former pour qu'ils puissent se mobiliser au niveau de leur municipalité. Alors concrètement, on a créé un outil qui est vraiment fait en effet miroir d'un outil qui existe pour les élus des municipalités. C'est un outil qui a été créé par la Fédération canadienne des municipalités qui s'est organisé en 5 étapes, si vous voulez, donc qui va de l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre jusqu'à la mise en œuvre d'un plan d'action et une dernière étape de l'imputabilité. Nous, on a créé un outil qui vraiment va permettre aux citoyens et aux citoyennes de parler le même langage que leurs élus et justement d'aller aux conseils municipaux, de leur poser les questions, de s'assurer que les projets, les situations qui sont problématiques dans leur quartier, qui leur tiennent à cœur, leur voix soit entendue, qu'ils soient capables justement de soit donner la force aux élus qui vont dans cette direction-là ou alors de justement sensibiliser ceux qui ne le sont pas à prendre action en matière de changement climatique. Alors, c'était vraiment s'assurer justement qu'on rapproche les citoyens de leurs élus, qu'on offre un espace pour une réelle démocratie participative, mais aussi qu'on réduise les risques de greenwashing, si vous voulez. Donc, qu'on s'assure que vraiment, c'est pas en plantant 3 arbres dans un petit coin qu'on aurait résolu justement tous les enjeux liés à la crise climatique, mais qu'on s'assure de mesurer ce qui compte, et notamment ce qui compte non seulement au niveau de la qualité de vie, mais ce qui compte pour les citoyens d'une municipalité. Alors, c'est ce réseau des carrefours climatiques communautaires, et vous pouvez les rejoindre, en créer un dans votre municipalité si vous le souhaitez, en rejoindre si vous avez déjà une initiative citoyenne, vous pouvez... Ouais. Vous-même participer au réseau pour échanger ce que vous mettez en place et partager vos meilleures pratiques avec les autres membres. Oui, puis à travers ces groupes-là aussi, ça permet aux citoyens de trouver de la force parce que souvent, on dirait que les démarches au niveau municipal, c'est gigantesque pour un citoyen. Comment je fais pour atteindre ces élus-là? Comment je fais pour développer un projet? Donc, si on peut passer par l'intermédiaire d'un des groupes, donc c'est très intéressant. De proposer cette avenue-là. Maintenant, est-ce qu'on serait prêt à l'heure où il est? Oui, je pense qu'on pourrait demander à notre ami, on va les rejoindre, tiens, sur le plateau
le plateau écologique. On va l'appeler le plateau écologique. Allons rejoindre notre amie Marianne. Alors, on va prendre les questions des internautes. Est-ce qu'on en a quelques-unes? Oui, François, ça a déjà commencé. Alors, je rappelle que si vous avez une question que vous souhaitez poser, vous pouvez la formuler dans la zone de discussion qui est en bas, à droite de votre écran, si vous êtes sur la plateforme Regardez-moi. Et il y a quelques personnes qui nous ont rejoints sur le YouTube également de l'événement. Donc, vous pouvez à ce moment-là utiliser la zone de chat qui se trouve à votre droite également de l'écran. Donc, voilà. Mais oui, on a justement en lien avec la dernière question une personne, en fait, Andréane Fiola, qui nous indique ceci. Je me présente justement aux prochaines élections municipales pour pouvoir faire un réel changement en environnement. Cependant, je n'ai que 21 ans et c'est souvent difficile de se faire prendre au sérieux. Avez-vous des conseils? Oh! Avez-vous des conseils, chers panélistes, pour ces gens qui se sentent tout à coup trop jeunes? Ça aussi, ça peut être un défi pour certains. Qui aimerait répondre? Laure, oui? Bien, moi, je dirais de bien s'entourer. C'est vraiment, vraiment clé. Puis il n'y a personne qui détient toutes les solutions. Je pense qu'il faut oser. Puis d'abord, félicitations de vous présenter. Vraiment, c'est fantastique. Puis on applaudit. Oui. On veut voir applaudir, voilà. Vraiment. Et c'est ça, de bien s'entourer, de s'informer. Puis moi, je dirais qu'il y a deux ingrédients clés. C'est vrai pour ceux qui se présentent en politique, pour les bons politiciens. Puis je pense que c'est vrai pour tous les citoyens qui veulent changer des choses. Puis je tiens ça de Martin Luther King qui disait... À la fin de sa vie, deux éléments clés qui, selon lui, étaient fondamentaux pour changer les choses. Il disait « You need a tough mind and a tender heart ». Donc, on a besoin d'avoir un esprit. Donc, moi, je suis solide. La force du mental. Oui, bien, je dirais de la rigueur. J'associe ça à la rigueur intellectuelle et en même temps, tender heart, c'est-à-dire de l'empathie, un cœur sensible, être capable de voir les conséquences de ce qu'on fait, rester dans une relation humaine. C'est-à-dire que des décisions froides, par exemple, si on prend juste une décision froide pour dire, on règle le problème des changements climatiques, il y a plein de décisions, si on était dans un régime totalitaire, qui pourraient se prendre, mais qui ne feraient pas de sens parce que ça serait dommageable pour certaines parties de la population. Donc, de garder ces deux éléments-là en tête, cœur et rigueur, moi, je pense que c'est clé. Puis ensuite de ça, de bien s'entourer. Donc, à la fois de gens qui vont nous soutenir émotionnellement, qui vont nous aider à pouvoir rester empathiques, rester positifs, puis en même temps, des gens qui vont pouvoir nous aider intellectuellement à bien comprendre les enjeux, à prendre des vraies bonnes décisions. Avant d'enchaîner avec une autre question des internautes, j'aimerais entendre, Kim, comment ça se passe au niveau conseil de bande dans les régions le plus qui sont occupées par les Premières Nations? Comment ça se passe? Est-ce qu'on a des initiatives municipales? Bien, municipales. Ben. C'est parce que là, on pourrait en parler. Là, il faudrait ouvrir un autre Zoom, puis là, se mettre à parler okay. des conseils de bande, puis de la loi sur les Indiens, puis de ce que ça nous empêche de faire. Puis, je ne suis pas sûre que c'est vraiment au niveau des conseils de bande. Peut-être que le réel pouvoir de changement est. Je pense qu'il réside dans la jeunesse, dans un paquet d'initiatives que les jeunes prennent. C'est-à-dire qu'il y a puis aussi, c'est que les Premières Nations, on est vraiment loin d'être un bloc monolithique. Là. Donc, il y a des communautés où ça va très bien. Il y a des communautés où ça va très mal, où on ne peut pas exiger, quand on est en situation de survie, on le sait, dans les pays du tiers-monde, pourquoi ça va encore plus mal sur le plan écologique, c'est parce qu'il y a des besoins plus criants, peut-être, immédiats. Dans certaines communautés, c'est ça. Dans d'autres communautés, je pense aux CRI notamment, qui sont pour moi un exemple où on a reconnu que la chasse de subsistance était un métier. Donc, si on veut, on peut devenir chasseur, puis on gagne un salaire, environ 3 000 par mois. Et donc, pour ces gens qui aujourd'hui travaillent, font un travail moderne, très occidental, par exemple, en droit ou les infirmières, ou en tout cas ces aînés qui n'ont plus la chance d'aller en forêt. Donc, il y a cette chasse communautaire qui est assurée par des gens qui sont payés pour le faire. Donc, pour moi,
ça semble paradoxal de devoir payer quelqu'un pour aller chasser, mais ça, c'est très contemporain en même temps. Et puis, je donne cet exemple-là parce que pour moi, c'est l'exemple le plus flagrant de notre besoin de trouver des solutions pour assurer une espèce d'équilibre entre le besoin d'être dans un monde à la fois contemporain, mais de retourner aussi à des valeurs plus traditionnelles liées à la Terre. Donc, c'est ça. Je pense pas que ça se passe nécessairement au niveau d'être élu au conseil de bande. Oui, peut-être, mais c'est pas là où je vois les changements, moi, personnellement, okay. Sur le terrain. OK. Marianne, d'autres questions? Bien sûr. Alors, j'ai une question également de Janie Cloutier, qui demande comment garder le moral quand on voit que les gens dans notre entourage, au travail, les amis, la famille, ne se préoccupent pas de la transition environnementale. Oui, qu'est-ce qu'on dit à ces gens qui vraiment se foutent peut-être carrément de la situation, sans nécessairement les dénigrer? C'est quoi les bons mots? On revient encore à ça. C'est quoi la formule? Peut-être, je ne sais pas, Adrienne. En compagnie de votre chat. Comment il s'appelle? J'ai une personne qui s'est ajoutée au panel. Effectivement, alors, premièrement, merci pour la question. Puis, c'est pas facile. Parfois, effectivement, on a l'impression qu'on doit nous-mêmes se ressourcer, justement, une marche en forêt, une marche dehors, pour rester bien ancré avec la rigueur et le cœur. Et je pense qu'il faut essayer, justement, de trouver, comme le disait tout à l'heure, il faut essayer de trouver nos lieux communs. Toujours dans un échange. Donc, dans le dialogue, peut-être que c'est pas l'angle de justement la transition qui va interpeller cette personne-là. Peut-être que c'est pas l'angle de changer nos modes de consommation. Est-ce que c'est l'angle de la qualité de l'air, la pollution? Est-ce que c'est l'angle d'avoir accès à un transport collectif? Est-ce que c'est l'angle de la solidarité sociale et justement de s'assurer que des personnes qui justement dont le mode de vie dépend du territoire puissent être honorés? Est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui les interpellent, qui font partie de leurs préoccupations, et de construire comme ça avec la personne sur qu'est-ce qui les intéresse? Il y a toujours un angle, je pense notamment même qu'on va aussi loin que dans des conversations très, très partisanes. Je parlais avec des collègues qui, eux, travaillent dans des milieux très, très religieux et conservateurs au sud-est des États-Unis et qui travaillent beaucoup justement sur la valeur du pas dans ma cour. Et donc, je ne veux pas que dans ma cour, ce soit contaminé. Et à partir de ces concepts-là, on a réussi à vraiment mobiliser des populations pour réduire finalement l'acceptabilité sociale de certains projets d'exploitation territoriale. Donc, à travers un concept qui peut sembler à la base même un peu étranger aux valeurs qu'on a partagées ce soir, ils ont réussi à trouver un lieu commun parce que justement, mais les gens ne voulaient pas que finalement l'eau du robinet à un moment donné soit contaminée. Et collectivement, ça a mené à un projet d'arrêter des projets de développement qui auraient été effectivement néfastes pour l'environnement. Donc, mais cette personne qui a posé la question a toute mon empathie et mon soutien. C'est pas facile et donc il faut aussi prendre soin de soi et s'entourer de pairs PAIRS là, qui partagent effectivement nos préoccupations, qui nous permettent de nous réénergiser, de se sentir soutenus là-dedans également. Je nous écoute, on blâme souvent, on se dit il y a des gens qui font pas les bonnes choses, mais est-ce qu'on pourrait peut-être regarder sous l'angle qu'est-ce qu'on fait de bien? Qu'est-ce que le citoyen moyen fait de bien? Est-ce qu'on est capable de dire à quelqu'un aujourd'hui, présentement, il y a tel ou tel réflexe que ça va bien, ça? Ça, on est sur la bonne voie avec ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux citoyens pour l'encourager un peu, là? Est-ce que vous avez un mot là-dessus? Est-ce qu'il y a au moins quelque chose qu'on fait présentement? Parce que moi, je reçois ça. Là, présentement, on nous écoute là, sur Facebook, partout sur les réseaux sociaux, puis j'ai l'impression de recevoir ça en blâme encore. Est-ce qu'on fait quelque chose de bien présentement? Ben moi, je pense qu'il y a plein de choses qu'on fait bien puis qu'on a évolué à toutes sortes de niveaux. Je pense qu'il y a eu des prises de conscience formidables
au cours des dernières années. Sur le plan environnemental, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire, mais regardons comment le Québec a évolué dans les rapports hommes-femmes, par exemple. Moi, tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça, un patron qui donnait une petite tape sur les fesses de la secrétaire en passant, c'était juste normal. Plein de propos qui étaient sexistes, c'était normal, alors que maintenant, on les dénonce et c'est même judiciarisé jusqu'à un certain point. Bon, on a encore à retravailler notre système juridique pour être sûr que les droits des femmes soient vraiment complètement respectés. Puis bon, je ne veux pas embarquer là-dedans, mais ce que je veux dire, c'est qu'au Québec, on a été capable de faire évoluer des choses très rapidement. Je parlais de la Révolution tranquille, par exemple, à une époque où est-ce qu'on était dans la grande noirceur où l'Église dominait tout, puis tout d'un coup, on a été capable de mettre en place des gouvernements qui ont pris des décisions puis qui ont mis le collectif au cœur des décisions. Et moi, je suis convaincue qu'on est encore capable de le faire, puis qu'au Québec, on a un terreau qui est extraordinaire pour ça, parce que, comme je le disais avant, il y a peu de degrés de séparation entre nous et on est solidaires. On regarde quand on se compare à d'autres provinces du Canada ou à l'Amérique du Nord, nos politiques sociales, notre volonté de prendre nos responsabilités à l'égard de l'environnement, c'est pas juste parce qu'on a Hydro-Québec, il y a aussi des choix de société qu'on fait qui sont autres. Et ça, je pense qu'on peut en être très, très fiers et qu'on a des valeurs de base qu'il faut continuer à cultiver, parce qu'on est pris comme tous les humains de la planète dans ces espèces de petits, comme des hamsters dans des cages, là, à courir après notre quotidien dans un système qui a tendance à nous mettre en compétition les uns avec les autres plutôt que de nous montrer à quel point on a tellement plus intérêt à coopérer, à travailler ensemble pour faire avancer les choses. Même toutes les études l'ont démontré. Là, c'est beaucoup plus la coopération que la compétition qui fait avancer les sociétés et qui aussi nous rend heureux beaucoup plus fondamentalement. Fait que je pense qu'il y a des belles choses qu'on a été capable de faire au Québec et qu'il faut continuer à faire. Et ça, je pense que ça va être en créant des liens toujours plus fort entre nous et avec l'environnement, et Kim le mentionnait, notre rapport à la nature, de développer notre lien d'affection avec l'environnement pour qu'on ait envie de le protéger, notre lien d'affection les uns avec les autres, qui comprend. Puis avant de pouvoir aimer quoi que ce soit, il faut d'abord le connaître. Et là, je pense au fait que les communautés culturelles, on est souvent séparées les unes des autres, mais quand on connaît toute la richesse de gens qui viennent, qui ont d'autres origines que nous, d'autres visions du monde, on réalise à quel point c'est merveilleux et qu'il faut préserver ça, qu'on a tout intérêt. Puis ces éléments-là, moi, ce que je trouve qu'on ne dit pas assez, c'est à quel point l'engagement citoyen, à quel point la coopération, à quel point l'empathie, à quel point la générosité, l'altruisme contribuent au bonheur. Donc, même à des fins purement égoïstes, on a intérêt à cultiver ça pour être heureux, parce qu'ultimement, tout le monde a envie d'être heureux. Puis les sociétés qui sont très individualistes et très qui sont très axées sur l'argent, typiquement, il y a un niveau de bonheur ressenti qui est beaucoup moins élevé. Puis ça a un impact sur la santé et autres. Fait que quand on se met à réaliser tous ces liens qui sont complexes, là, il y a une grande complexité dans tout ça, mais on réalise tout le potentiel qu'on a et à quel point la transition nous amènerait à tellement mieux que ce qu'on est maintenant. Puis oui, partons de ce qu'on fait bien, partons de ce qu'on aime et partons notamment de ce grand amour qu'on a tous pour nos enfants ou les enfants des autres. Puis c'est ça qui est d'ailleurs au cœur du mouvement des Mères au front, c'est de dire partons de ce qui transcende toutes les origines ethniques, tous les niveaux de revenus, toutes les religions, toutes les allégeances politiques. C'est le fait qu'on veut tous défendre nos enfants. On a tous nos enfants à cœur, peu importe qu'on soit à gauche ou à droite. Donc, revenons à ça, à l'essentiel, et voyons comment est-ce que là, il est temps de mettre le point sur la table et dire « ça suffit » et de voir comment, ensemble, on peut partir de ce qu'on a de plus beau, de ce qu'on a de plus fort, ouais, pour construire un avenir qui soit viable pour nos enfants. Vous seriez prêt pour les élections? Et je continuerai un peu sur la même lancée, parce que je pense que c'est important, en effet, qu'on parle
des choses positives qui se passent. Laure en a mentionné toute une panoplie. Mais si on regarde au Québec, on est probablement un des endroits sur la planète où la population est la plus mobilisée pour l'environnement. Je parlais tantôt de la mobilisation des 500 000 personnes il y a de cela à peine un an qu'on a eu à Montréal, mais partout à travers le Québec. Rappelez-vous, le 22 avril 2012, quand il y avait des manifestations partout à travers le Québec, les grandes mobilisations pour protéger le territoire contre les gaz de schiste, protéger Anticosti, protéger contre le pipeline énergie S, ce sont des mobilisations qu'on n'a pas vues ailleurs. Il y a un niveau de sensibilité, de sensibilisation et de conscience des changements climatiques qui est très avancé au Québec. Je vous parlais tantôt des 400 municipalités, il y en a même plus, qui ont adopté une déclaration d'urgence climatique. Bien, ces municipalités-là, elles l'ont adoptée parce que ce sont des citoyens et citoyennes qui se sont présentés dans leur communauté, dans les municipalités, pour demander à leur conseil de ville d'adopter une déclaration d'urgence climatique. Donc, ce n'est pas juste dans l'opposition, c'est aussi dans la proposition que les gens sont mobilisés. Et gardant en tête que, même d'un point de vue individuel, on voit des tendances qui émerge rapidement au Québec et ça depuis même plusieurs années pour certaines. Moi, je suis de la génération recyclage. On faisait du recyclage à mon époque, quand j'étais plus jeune, et il n'y avait pas de recyclage chez nous. C'était des cloches. Il fallait qu'on amène notre recyclage à un endroit précis, comme mon père allait en ville. Et là, ça vous donne un indice de mon âge. Mais maintenant, c'est rendu quand même généralisé. Il faut aller beaucoup plus loin que le recyclage. On est rendu maintenant à faire du compostage en plusieurs municipalités. Certaines traînent de la pâte, mais c'est rendu maintenant acquis. Évidemment, il faut travailler à la source. Vous avez au Québec un mouvement, on parle de plus en plus de décroissance, chose dont on ne parlait pas, dont il faut parler absolument, et particulièrement chez les jeunes, c'est très fort, et c'est logique. Hein? Si tout le monde consommait comme les Québécois, Québécoises, ça prendrait trois planètes Terre pour subvenir à nos besoins. Donc, on consomme trop, on consomme mal, et de plus en plus, on en parle de cette nécessité de décroissance. Et toute la mouvance au niveau du zéro déchet qu'on voit, voyez le nombre de magasins d'alimentation zéro déchet qui sont en train de sortir un petit peu partout au Québec, même dans les commerces, de plus en plus, on parle de commerces qui adoptent des pratiques zéro déchet. Dans les épiceries, vous avez du vrac qui apparaît, même dans des grandes chaînes d'épiceries, chose qu'on ne voyait pas avant. Vous avez également tout le mouvement du végétalisme ou des vegans qui, pour plusieurs, ont des raisons derrière ça qui sont environnementales, des raisons qui sont animalistes ou protection de la vie en général, mais c'est un mouvement très, très fort, particulièrement chez les jeunes. Et ces jeunes-là sont en train aussi de créer de plus en plus, de faire de plus en plus leur place et de tirer vers le haut l'ensemble de la société. Entre autres, comme on le voit au niveau des inégalités, au niveau du mouvement Black Lives Matter, où beaucoup de jeunes sont déjà sensibilisés à ces questions de racisme-là, prennent déjà position, que ce soit aussi au niveau de l'acceptation et de l'intégration de LGBT, etc., au niveau de la population. Mais les droits autochtones, il y a une sensibilité, une sensibilité, oui, totalement, qu'on ne voyait pas avant, et c'est beaucoup les jeunes qui sont là. Dans les mobilisations sur le climat, c'est beaucoup les jeunes aussi. Donc, on est en train d'avoir aussi ce mouvement, je dirais, d'éveil sociétal à plusieurs égards qui se fait. Évidemment, l'environnement fait partie aussi. Oh, c'est plaisant de vous entendre, Patrick. Donc, on voit que vous appréciez certains réflexes citoyens. Donc, ça va quand même bien. Là. Vous voyez du bon dans ce qui se passe présentement. Je dirais pas que ça va bien. Je dirais que ça va dans la bonne direction. Pas encore assez vite, mais encore une fois, c'est pas linéaire. Hein. Il y a des changements qui sont en place et des fois, il y a des événements qui arrivent. Il y a un gouvernement qui prend une décision. Il y a une loi qui est passée qui vient accélérer grandement la chose. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas non plus se décourager. On n'est pas voué à tous mourir d'une fatalité environnementale. Ça ne va pas bien, mais il y a quand même une mouvance actuelle. Il faut l'accélérer. Et on l'a vu dans le passé à plusieurs égards dans les mobilisations. On a réussi des choses incroyables au Québec. On est capable de le faire, c'est certain. On va prendre une autre question, Marianne, sur Internet. Certainement, il y en a de plus en plus même. Et d'ailleurs, vous répondez magnifiquement à plusieurs d'entre elles. Donc, la prochaine question que j'ai pour vous, en fait, elle est de Louis-Philippe, un peu dans la même lignée. Est-ce que vous encouragez les citoyens, les citoyennes et les jeunes à reprendre la rue de façon régulière comme nous le faisions les vendredis? Oh! Qui veut répondre? Oui! Moi, je pense que prendre la rue, c'est un des moyens d'expression de notre indignation. Bon, maintenant, c'est plus difficile avec c'est sûr qu'on lutte
contre la COVID. Ceci dit, les manifestations sont quand même permises. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui le sait, mais il faut respecter la distanciation sociale. Mais on peut quand même se faire entendre et mener des actions malgré la pandémie. Donc oui, de tout temps, d'ailleurs, les grands changements qu'il y a eu dans la société, il y a toujours eu des manifestations, il y a toujours eu de la désobéissance civile, puis en même temps, d'autres gens qui agissaient dans des postes clés, qui étaient dans les machines qui devaient être changées, dans les gouvernements, dans des entreprises. Donc ça prend des gens qui travaillent pour la transition partout, mais ça comprend dans la rue, évidemment. Voilà. Pour rebondir peut-être avec une autre question, si tu me permets, François. Oui, allons-y. Christian demandait, quels sont les projets au Québec et ailleurs dans le monde qui semblent avoir un impact positif envers la transition? Ah, quelle est l'action qui fait vraiment une différence quelque part sur le globe? Est-ce que quelqu'un a une réponse là-dessus? Est-ce que vous voyez présentement une initiative qui fonctionne? Andréanne. Je vais m'aventurer un peu. C'est une question super large, mais je pense que ça a été abordé. Je pense que de tout temps, on a rarement observé une aussi grande conscientisation des citoyens partout par rapport à la crise climatique et une capacité justement de se mobiliser, non seulement dans des endroits très, très localisés, mais aussi de se mobiliser collectivement en même temps et d'envoyer un signal extrêmement fort aux élus, aux pouvoirs publics, qu'il y a une urgence d'agir. Alors, on voit effectivement que cette mobilisation-là, qui a été beaucoup portée par des leaders autochtones à travers la planète et également par des jeunes qui ont vraiment insufflé une urgence d'agir et qui ont amené une espèce de mouvement de personnes qui les ont suivis justement pour amplifier ce mouvement-là. Alors déjà ça, c'est gigantesque de se dire l'accès et la capacité, il y a beaucoup de défauts aux réseaux sociaux, notamment les echo chambers, il y a plein d'enjeux qui sont moins sympathiques, mais par contre la capacité pour des citoyens de s'organiser et de se mobiliser et de mettre ça à l'échelle planétaire, c'est absolument extraordinaire ce qu'on est en train d'observer en ce moment. Et on voit en parallèle, si on regarde les grandes rencontres mondiales que sont les conférences des partis et l'urgence. Oh, Andréanne, je pense qu'on vient de perdre Andréanne, là, où elle a gelé. L'urgence d'agir, finalement, c'est le milieu-là qui est extrêmement perforé par une présence citoyenne qui est trop bruyante pour être ignorée. Donc, on voit progressivement qu'encore une fois, on a des petites victoires au niveau local, parfois même symboliquement des grandes victoires au Québec, on en a eu plusieurs, je pense que Patrick aussi en a mentionné, mais on a eu des super belles victoires et on voit qu'à l'échelle des ambitions qui sont portées par les États, les citoyens sont maintenant informés, sont mobilisés et comprennent aussi l'imputabilité, donc sont capables de dire « attention, on n'est pas assez ambitieux, attention, vous ne tenez pas vos engagements et on va être dans la rue justement pour s'assurer que vous le fassiez ou alors on va se présenter nous-mêmes pour s'assurer que le visage et les messages portés par les élus changent ». Alors ça, au niveau mondial, je pense que c'est quand même assez emballant de le constater et de voir à quel point derrière ça, on comprend de plus en plus les solidarités entre les luttes, donc justement féministes liées justement aux droits civiques et aux droits des personnes noires aux États-Unis, notamment aux droits liés à la redistribution des richesses, ou évidemment aux droits à l'autodétermination des peuples autochtones partout sur la planète. Donc, beaucoup de choses qui sont extrêmement positives. Oui, Laure. J'ajouterais juste à ça l'élection de Joe Biden aux États-Unis parce que ça va avoir un effet domino probablement sur plein d'autres décideurs. Puis on a vu que dès son entrée au pouvoir, il a pris des actions qui vont être déterminantes puis qui ont déjà un impact même ici. En tout cas, ça apaise beaucoup, hein, ça fait. On sent beaucoup moins de kilos sur les épaules. Marianne, d'autres questions? Certainement. Alors, j'avais quelqu'un ici. Ah, je m'excuse, là, j'ai de la misère avec mes 3000 écrans. alors, j'ai Jean-Christophe qui dit, bon, réduire nos émissions, par exemple, de 50 % d'ici 10 ans, c'est capital. Et il l'espère ardemment, d'ailleurs. Il demande, en fait, au fond de vous, là, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez qu'on va être capable d'y arriver? Comment on fait pour garder espoir? Comment on fait? Patrick?
Bien, je pense qu'on regarde ce qui se passe déjà actuellement sur la planète. Vous avez, il y a de cela quelques années, voire des mois même, on n'aurait pas envisagé que des pays passent des lois puis se fixent des objectifs, par exemple, de bannir les automobiles à essence, la vente de véhicules à essence d'ici 2030. La Norvège est rendue à plus de 50% des véhicules neufs vendus, qui ce sont des véhicules électriques. Vous avez une panoplie de pays, que ce soit l'Irlande, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Belgique, que ce soit les Pays-Bas, qui prennent des objectifs, par exemple, de bannir les véhicules électriques. Vous avez de la mouvance actuellement beaucoup au niveau de l'interdiction du plastique à usage unique. Le Canada en a fait, encore là, malheureusement, pas assez, mais il y a de plus en plus d'objectifs qui font en sorte que nos petits gestes individuels, ils sont importants, mais à un moment donné, ça prend aussi des gestes collectifs et ça prend un mouvement collectif. Et là, bien, vous avez l'ensemble des pays, on est rendu à plus de 100 pays qui se sont donné des objectifs d'être à carboneutralité en 2050. Vous allez me dire, c'est très loin 2050, en effet, mais tous les pays ont des objectifs à court terme pour 2025 ou pour 2030 et doivent arriver avec des plans et des bonifications de ces pays-là. Et cette année, on a vu la Chine qui a bougé, on a vu les États-Unis qui ont bougé avec l'arrivée de Biden, on a vu l'Europe, donc l'Union européenne qui a bougé, le Japon qui a bougé, qui se sont fixés des objectifs plus ambitieux, qui ont mis des nouvelles mesures en place. Et vous avez le prix des énergies renouvelables qui est rendu moins cher maintenant que produire l'électricité au charbon ou produire l'électricité à partir du gaz naturel. Le même. Et vous avez partout sur la planète, on le voit au Québec, des gens maintenant se mobilisent pour avoir des projets de transport collectif. Regardez à Québec ce qui se passe. Il y a toute une campagne sur le tramway. Le tramway a été poussé beaucoup par de la mobilisation citoyenne. Et maintenant, on regarde dans la région métropolitaine, tous les maires de la région sont en train de se battre pour avoir leur bout de transport collectif, leur gros projet de transport structurant, et ça prend des populations pour les aider, pour appuyer, pour les pousser, pour les féliciter aussi lorsqu'ils prennent des bonnes décisions. Mais c'est sûr qu'actuellement, on n'est pas sur la bonne voie. Fait que je ne suis pas en train de vous dire que ça va bien, mais je pense que c'est clairement possible de changer les choses rapidement. Et le meilleur exemple, c'est en 2014, un an avant l'accord de Paris, on s'en allait vers un réchauffement planétaire d'environ 5 degrés Celsius selon les plans sur la table de tous les pays. Et parce que les pays devaient signer l'accord de Paris, ils se sont tous engagés à en faire davantage, ont pris des cibles de réduction de gaz à effet de serre beaucoup plus ambitieuses et on est passé d'une trajectoire théorique de 5 degrés à 3 degrés Celsius juste parce que les populations sont sorties dans la rue pour mettre de la pression sur leur gouvernement, ils se sont sentis obligés de prendre des cibles ambitieuses, d'arriver avec des plans. Et là, c'est exactement la même chose qui se produit cette année où 5 ans plus tard, 5 ans après la signature de l'accord de Paris en 2015 à Paris, les pays doivent se rencontrer à la fin de l'année, lors de la conférence internationale, où tous les pays devront se fixer des objectifs plus ambitieux. Donc, les populations recommencent. Évidemment, la COVID est là pour ralentir la mobilisation sur le terrain, mais elle n'empêche pas tout et elle va partir un jour, on espère le plus vite possible. Et c'est sûr que ça va revenir. Cette mobilisation qu'on avait des 500 000 personnes à Montréal, qui étaient partout sur la planète, encore une fois, c'était la plus grande mobilisation de l'histoire de l'humanité sur le climat. 8 millions de personnes dans à peu près 150 pays partout sur la planète qui sortent en même temps. Cette pression-là, elle va revenir sur les partis. Et les pays, je vous l'ai dit, là, quand vous avez la Chine, les États-Unis, l'Inde, l'Europe, mais l'Inde n'a pas encore assez bougé. Le Japon qui commence à bouger, c'est certain qu'on a un effet d'emballement et d'entraînement vers le haut de la part des pays. Et moi, je suis certain que ça va revenir. C'est une question de temps avant que cette mobilisation revienne pour mettre de la pression sur les gouvernements, pour qu'ils nous aident, pour qu'ils arrêtent de financer le problème, qu'ils financent les solutions et qu'ils aident justement les gens et qu'ils mettent des limites surtout aux pollueurs, aux grands pollueurs, aux constructeurs automobiles, qu'ils arrêtent de subventionner le pétrole et le gaz et qu'on finance les solutions qui en ont gravement besoin. Marianne, une autre question? Oui, certainement. J'ai peut-être une question de la discorde pour vous. Alors, j'ai une question où on demande, le citoyen ne s'est pas identifié, s'il est vrai que la transition a plusieurs volets sociologiques, seule l'urgence climatique menace notre survie. Est-ce qu'on ne devrait pas prioriser l'aspect écologique de la transition? Kim, est-ce qu'on doit prioriser l'aspect écologique de la transition?
Ben, je ne suis pas sûre que je comprends la question. Mais c'est pour ça, je la lance. Ben, c'est ça, mais j'ai l'impression qu'il faut... Ben, c'est comme un tout. Oui, c'est ça. Hein, ça va ensemble. Je vais passer. OK, on passe. Donc, ricochet sur l'or. Ben, c'est clair qu'on est face aux limites planétaires, puis là où le voyant lumineux, ce qu'on entend le plus parler dans les médias, c'est les changements climatiques, mais je dirais que la perte de la biodiversité est aussi dangereuse pour la survie des humains sur Terre. Puis d'ailleurs, je me permets un petit parallèle, parce que je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment en lien avec la COVID, mais vous savez que la COVID est une zoonose et qu'il y a déjà un bon bout de temps. Donc, une zoonose, c'est une maladie qui est transmise par les animaux. Il y en a plein d'autres comme ça, l'Ebola, la peste, il y a eu beaucoup de grippes sont des zoonoses aussi. Il y a déjà plusieurs années que les experts aussi menaient des campagnes pour essayer de sensibiliser les élus à dire on est dans une situation où on est plus fragile aux zoonoses, notamment à cause de notre rapport à la nature, parce que on est tellement allé loin dans la déforestation, on est tellement allé loin dans la destruction des écosystèmes et dans le rapprochement avec des espèces avec lesquelles normalement on ne doit pas rentrer en contact, qu'il y a de moins en moins de degrés de séparation entre une grande variété de zoonoses et les humains. Puis les humains constituent un terreau absolument fantastique pour n'importe quelle maladie, parce qu'on est partout sur la Terre pour n'importe quel virus et on est proches les uns des autres. Donc, il y a des liens entre ces éléments-là et notre rapport à la nature, donc des maladies qui se contentaient des pangolins puis des chauves-souris, maintenant ont accès plus facilement à nous, les humains. Donc, fin de la parenthèse, mais je pense que c'est important et j'espère que dans la foulée de la pandémie, là, on est dans la gestion de l'urgence. Il y a déjà eu des rapports, le gouvernement français a mandaté des chercheurs pour parler de ça, faire ce lien-là. Donc, il y a des données, les Nations Unies aussi sont sortis là-dessus, mais je pense qu'il y a quelque part une sonnette d'alarme là, qu'on devrait entendre si on veut éviter la multiplication des crises. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas que la crise climatique. Ensuite de ça, c'est de revenir au fait que ces crises-là ont toutes une cause commune, c'est-à-dire un système qui carbure à l'exploitation environnementale et sociale. Et selon moi, on ne résoudra pas la crise climatique ou la perte de biodiversité ou l'augmentation de la pollution dans l'air, dans l'eau, dans les sols, si on n'aborde pas les enjeux de justice sociale, de justice climatique. Donc, c'est des éléments qui vont ensemble, parce que c'est le même rapport de domination et d'exploitation qui est utilisé dans tous les cas. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut un changement de paradigme puis revoir nos valeurs, revoir nos priorités pour mettre nos énergies sur ce qui compte vraiment. Et là, la priorité devrait effectivement de réduire notre empreinte écologique, mais tout en ayant un impact social qui est favorable. Et c'est possible. Puis même avec la crise, il va y avoir beaucoup d'argent qui va être renvoyé dans l'économie. Donc, c'est une occasion de pousser pour une relance qui soit écologique et sociale. On parle beaucoup de relance juste et verte, là, mais je ne parle pas de vert pâle. Une vraie transition qui amène des vrais changements qui remettent l'économie au service des êtres humains dans le respect des limites des écosystèmes. Ouais, absolument, parce que souvent, on peu importe les questions au niveau du gouvernement, on dit toujours « Ah, mais c'est pas le temps de parler d'écologie. Ah, non, mais là, c'est pas le temps de parler du vert, mais sinon, on n'en parlera jamais. On parlera jamais d'écologie si on ne l'implique pas systématiquement dans chacun des dossiers. » C'est aussi simple que ça. Marianne, autre question? Écoute, François, je regarde le temps passer, puis je sais que Andréane avait l'air de vouloir répondre. Ah oui, Andréane, oui. Je vais lui laisser la place. Andréane, tu as levé la main? Ou c'est la queue de ton chat derrière? Non, c'est toi qui as levé la main, oui. Je pense qu'effectivement, c'est un peu... Kim le mentionnait, c'est vraiment de voir que tout est lié finalement et que justement... si on hiérarchise certains éléments qui font partie intégrante de la crise par rapport à d'autres,
on veut passer complètement à côté, finalement, d'une opportunité, d'une occasion de changer réellement les sources du problème, et les gens ne pourront pas suivre. Alors, si on réfléchit seulement selon certains prismes, on va encore laisser de côté des pans entiers de la population, ce qui est déjà inacceptable maintenant, ce qui sera encore plus en ce moment, alors que ces mêmes groupes de population sont encore une fois souvent dans des situations encore plus grandes de vulnérabilité par rapport à cette même crise climatique. Et de la même manière, certaines choses qui sont portées parfois comme des solutions à la crise climatique vont complètement au détriment des droits de la personne et des droits notamment à l'autodétermination des peuples autochtones. Donc, ces éléments-là ne doivent pas être hiérarchisés les uns par rapport aux autres, mais au contraire, vraiment pris en considération dans une relation, justement, dans le cercle et en considérant l'ensemble des parties prenantes comme étant porteuses de solutions. Parfait, merci beaucoup. On arrive déjà à notre conclusion. Donc, merci beaucoup d'ailleurs pour vos questions. C'était très pertinent, les gens à la maison. Merci infiniment. Alors, c'est aussi simple que ça. Je vais vous poser la question de façon globale. Si vous aviez une baguette magique, on vous transforme en Harry Potter hein, et ses acolytes. Alors, quels seraient les trois changements prioritaires? Et là, je pose la question à tout le monde que vous apporteriez à notre société. Tiens, commençons par Kim. Ouais, la fameuse baguette magique. Ouais. Ben, moi, mon rêve, c'est qu'enfin les peuples autochtones puissent investir cette discussion-là, qui trop souvent se passe sans eux, sans nous. On est partout en ce moment, mais je suis contente d'avoir été invitée parce que je disais, c'est pas nécessairement mon champ d'expertise premier. C'est la première fois qu'on m'invite à participer à un événement sur la transition écologique. Et puis, je pense que c'est la même chose pour la majorité de mes collègues. Puis, j'ai pas l'impression qu'on est bien représenté dans ce débat-là, malheureusement. Puis pourtant, on aurait tellement à apporter, tellement à offrir en matière de solutions. Donc, ça serait ça, en fait, mon souhait le plus cher. Donc, une plus grande implication, évidemment, des... Mais une plus grande reconnaissance pour avoir, oui. Oui, voilà. Andréanne. Ben, alors, trois, c'est vraiment un défi difficile. Là. Alors, on peut peut-être pousser jusqu'à quatre, mais là... vraiment, mettre en œuvre une réelle espace pour l'autodétermination des peuples autochtones, encourager une éco-citoyenneté active, et également, finalement, transformer nos relations avec la Terre en visant équilibre et harmonie pour en respecter les limites. Donc, justement, être dans une relation beaucoup plus humble comme espèce par rapport aux autres espèces qui nous entourent. Voilà, c'est très bien dit. Patrick Bonin, je vous remets la baguette. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quel changement on fait? Je proposerais une grande campagne d'éducation, véritable d'éducation, à la grandeur de la province, du pays et de la planète, tant qu'à y être, sur la transition nécessaire, les fondements, pourquoi il faut la faire, et qu'elle soit sociétale, donc qu'elle soit pas juste environnementale, cette transition-là. Je financerais également des organismes de transition qui serait peuplé de citoyens, donc qui auraient les moyens de se retrouver ensemble pour la définir d'un point de vue régional et local et communautaire, comment la faire, cette transition-là. Et par la suite, je mettrais en parallèle une énorme taxe sur la fortune ou un impôt sur la fortune des grandes entreprises, des plus riches de ce monde également, pour redistribuer l'argent actuellement, lutter contre ces inégalités-là et financer la transition dont on a urgentement besoin et pour laquelle on a des panoplies de solutions, mais qui ne demandent que du courage politique et du financement pour être déployé. Ça vous fait bien, la baguette magique. Bravo. Patrick Bonin, vous le reconnaissez, il a joué pour l'équipe Gryffondor. Merci beaucoup. Laure Varidel, maintenant. Alors, la baguette, et qu'est-ce que par un coup de magie, là, qu'est-ce qu'on transforme? Là? Trois changements majeurs. Alors, dans la tête des gens, tout le monde sentirait qu'il a le pouvoir de changer les choses. Ça serait la première des choses, réaliser son pouvoir de citoyen, parce que c'est le citoyen qui est au volant de toutes les organisations politiques, de toutes les entreprises, de toutes les écoles, de partout finalement. Donc, ce pouvoir citoyen-là, réaliser que où que l'on soit, qui que l'on soit, on a le pouvoir de changer les choses. Deuxième chose, c'est que à partir de maintenant, toutes les décisions qu'on prend
comprend passe à travers le prisme de leur impact sur l'environnement et sur les plus vulnérables d'entre nous. Donc ça, ça nous amènerait nécessairement à une société beaucoup plus solidaire et beaucoup plus écologique, équitable, donc où on serait vraiment... Tous les êtres humains sont nés, naissent libres, égaux, en dignité, en droit. Là, le premier article de la Déclaration des droits de l'homme, là, tac, il s'appliquerait à tout le monde. Donc, évidemment, il n'y aurait plus des grandes inégalités économiques comme Patrick le décrit. Et la troisième chose, c'est de faire en sorte finalement que tous ces gestes-là soient en cohérence avec le monde que l'on souhaite pour nos enfants. Puis vu que c'est notre dernière occasion de parler, moi j'ai envie de vous laisser avec une phrase que j'aime beaucoup de Victor Hugo qui dit que aimer, c'est agir. Et puis je pense que on aime nos enfants, on aime notre planète, on aime notre communauté. Fait que c'est le temps de passer à l'action pour vraiment mettre en œuvre cette grande transition là qui va nous amener, selon moi, à beaucoup plus de bonheur pour tous et de bien-être. Ah, c'est bien dit ça. Andréanne, la baguette. Qu'est-ce qu'on fait avec la baguette, Andréanne? Je l'ai déjà eu, alors est-ce que j'ai droit à un bonus de... Ah oui, c'est vrai, elle l'a déjà eu. Je l'ai déjà eu, ma baguette. On dit cinquième maintenant, je pense que je vous en avais donné quatre, donc je l'avais laissé à quatre. Rompre avec la société de consommation, alors profondément. Non, okay, donc aller parfait. Vers une réduction et jusqu'à un... Ouais. Bon, voilà. Vous voyez, là, on vous a vraiment permis beaucoup de... C'est vraiment inéquitable pour mes collègues. Mais je m'excuse d'avoir eu autant C'est parfait. Juste avant de quitter, on va y aller avec des petites plugs qu'on avait à faire pour la fin de notre événement. Laure, juste parler un peu de mouvement Mère au front. On en a rapidement glissé un mot, là, mais j'aimerais peut-être un petit peu plus de précision là, sur... En fait... C'est un mouvement qui est vraiment né d'une grande indignation de mères. Hein. Ça a commencé avec une rencontre avec Anaïs Barbeau-Lavalette, puis on s'est mis à en parler autour de nous. On a fait une rencontre dans notre salon, puis on a réalisé qu'on était très, très nombreuses à être inquiètes pour l'avenir de nos enfants, puis qu'on devait tabler sur cet amour immense qu'on avait pour nos enfants, ce désir de protéger leur avenir pour s'organiser, pour créer un mouvement citoyen. Et maintenant, il y a 25 groupes de mères au front un petit peu partout à travers le Québec. On a fait différentes actions. Notre objectif, c'est de vraiment mettre la pression sur les élus, quel que soit le palier de gouvernement. Au départ, on s'adressait beaucoup au fédéral, mais là, on veut aussi avoir un impact sur les élections municipales aussi. Donc, rencontrer nos élus et leur rappeler que justement, leurs décisions doivent passer à travers le prisme de leur impact sur l'environnement et la justice sociale pour protéger l'avenir de nos enfants. Donc, c'est vraiment, ça part de ce grand élan de protection maternelle. Puis, on a décidé de faire de l'amour qu'on a pour nos enfants et aussi d'une colère, de ce désir de protéger là, une arme de construction massive pour la suite du monde. Laure Varidel est tellement généreuse. En plus de sa présence, elle vous offre, mesdames et messieurs, pour notre événement, eh bien, 10 livres qu'elle va donner comme ça. Et pour les gagner, ces livres, bien, il faut tout simplement écrire immédiatement, OK, sous les commentaires, que vous voulez le livre de Laure Varidel. Alors, les 10 premières personnes, alors, je vous surprends, là, hein, les 10 premières personnes, vous allez pouvoir, comme ça, gagner le livre de Laure. Est-ce que vous allez pouvoir dédicacer? Je ne sais pas, on va essayer de voir si... Moi, je pourrais m'organiser de voir ça avec Alexandre. Ah, on va voir ça un petit peu plus tard. Parfait, merci beaucoup. Alors, je vous regarde là, rapidement avec tout ce que vous nous avez dit. Vous avez dit tellement de belles choses ce soir, mais j'ai essayé de résumer. Moi, vu que j'ai tout capté, votre message, je vais essayer, ça c'est grossier de faire ça, mais en même temps, je me mets à la place du monde qui a écouté, puis j'essaie de retenir des choses. Vous me direz si c'est un peu dans le champ ou beaucoup. si je regarde Kim, le rapport au territoire. Hein, se ramener à la vraie patente, hein, qui est le territoire, la nature. C'est le message que vous nous envoyez. Se reconnecter, hein, c'est un peu ça. Okay. Patrick, ben c'est, hein, Patrick, c'est quoi? C'est le citoyen, il faut le brasser un peu, puis c'est la structure. Hein, la structure, on a parlé de structure, Patrick, beaucoup quand même. Il répond pas, mais je pense par son sourire. Ça... Non, mais j'attends le... Non, structure. C'est le résumé, c'est pas moi. Oui, Patrick nous parle de structure. Andréanne, ben c'est vraiment... Écoutez,
faut pas se laisser intimider, il faut s'impliquer, aller à travers les organisations qui sont disponibles. Donc, implication, hein, elle a dit ça, entre autres. Mais je sais qu'elle parle pas, mais là, ben, elle veut pas m'aider. Mais... Non, mais il y a un peu de ça. Hein, c'est peu de ça, ça que les gens ont retenu de mon message. Je suis absolument ravie de ne pas oui, être okay. Bon, moi, j'ai impliquée. Le pari aurait été gagné là-dessus. Oui. Puis là, ben, un livre sur le bras. C'est ça qui est le fun. Là, on peut gagner un livre sur le bras. Non, mais c'est le fun. Elle nous donne des livres. C'est extraordinaire. Non, mais là, c'est l'ensemble de son... de sa présence qui est son message. Hein? Et surtout, elle a un conjoint qui est formidable et qui a plus de 50 ans. Merci beaucoup. Laure, c'est ce qu'on aurait appris ce soir. Hein? Quoi? J'allais juste dire qu'il est formidable pour vrai. Notamment, il a défendu pro bono les sans-abri, est avocat. Et c'est grâce à lui et à toute son équipe, notamment, là, puis aussi, travail des groupes communautaires avec le couvre-feu est levé pour eux. Fait que je suis très fière de lui. Ben bravo! Oui, encore une fois, on applaudit tout le monde. On applaudit, voilà. Ben, j'aimerais juste rajouter quelque chose. Oui, c'est pas Kim. Pour me plugger moi, c'est pour oui. plugger Joséphine Bacon. Oui, allez-y. Parce qu'en ces temps de je sais plus comment le décrire, absurde, épouvantablement déprimant, Joséphine Bacon nous fait beaucoup de bien dans ce film « Je m'appelle humain ». Et si on parle de rapport au territoire, Joséphine, elle l'a compris à travers la parole si sage de ses aînés, de ses ancêtres. Donc, je vous invite maintenant à visionner ce film qui est disponible partout. Merci. Oui, allez-y. Il n'y a pas de problème. On peut plugger, là. Si Adriane, s'il y a quelque chose à plugger, je ne sais pas. Non, c'est bon? Juste dans l'implication, si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre le Carrefour climatique communautaire dans votre quartier, vous inscrire, même si vous êtes tout seul, on va vous trouver des gens avec qui vous impliquer. Voilà. Et Patrick, peut-être moi, c'est bien simple. Pendant que vous êtes sur un ordinateur, Internet, tapez dans un moteur de recherche Greenpeace Canada, allez dans la section Agir et là vous cliquez, que ce soit pour le plastique, contre GNL, pour la relance verte et juste, vous allez probablement signer une pétition et par la suite on envoie des moyens de se mobiliser, des trousses de mobilisation, des conseils, comment mettre de la pression sur vos élus. C'est votre porte d'entrée pour avoir du plaisir et changer le monde avec nous. Si on est une organisation non gouvernementale, on n'accepte pas d'argent des gouvernements, des entreprises, donc on est complètement indépendant et on s'amuse. Et plus on est de fous, plus on s'amuse. Et voilà. Alors, c'est déjà tout pour notre activité de ce soir ou d'aujourd'hui. Ça dépend quand vous allez l'écouter parce qu'évidemment, cette activité-là sera sur les réseaux. Alors, je tiens à remercier chaleureusement nos panélistes, Laure Varidel, Andréane Parent, Kim Obom Sawin et Patrick Bonin. Merci infiniment. Ça a été très éducatif. Ça a été chaudement apprécié par toute l'équipe, d'ailleurs, qui est ici, là, avec nous. Merci également à vous, chers citoyens, citoyennes, évidemment, qui avez pris part, que ce soit par votre écoute attentive, vos questions aussi extraordinaires qu'on a reçues, commentaires et les réflexions également. Et pour rejoindre la communauté de Laval en transition, Lavalois, Lavaloise en transition, rendez-vous sur le Facebook à Lavalois en transition ou pour contribuer, que ce soit en temps ou par le biais de contributions monétaires. Alors, visitez le site, il est simple, c'est lavalentransition.org, lavalentransition.org. Et les liens seront collés dans quelques secondes dans la zone de discussion. Moi, je ne peux pas voir, mais peut-être que c'est là depuis tantôt puis que je dis ça pour rien. Alors, sinon, Effet Transition se poursuit dès demain matin, 9h30, avec une présentation d'initiatives inspirantes en provenance des quatre coins du Québec. Alors, soyez présents là et par la suite, il y aura plein d'autres activités. Il faut suivre justement sur effettransition.ca. Les renseignements et toutes les activités y sont. Alors, merci à Marianne et Gildo pour la technique. Merci d'avoir été présents. Je me représente à nouveau. Je m'appelle François Maranda. Ça a été un plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et au plaisir de vous compter parmi nous pour qu'ensemble, nous créions, lors des prochaines activités, évidemment, de beaux moments comme celui qu'on vient de vivre. Et bien, à une prochaine. Bye-bye. Comme dirait l'autre, ou comme ferait l'autre. Non, ça ne marche pas. Hey, bye-bye. Merci beaucoup. C'est la baguette magique. Oui, la baguette. La baguette. Bye, tout le monde. Merci beaucoup.
Bye, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut s'applaudir. Bravo. Merci beaucoup. Vous avez été extraordinaire. Puis là, naturellement, vous n'avez pas vu tous les commentaires, mais il y a plein de gens qui écrivaient que c'était super inspirant puis que vous répondiez à leurs questions. Bref, merci du fond du cœur, honnêtement, là. Je le dis avec tout mon amour, ma reconnaissance, et vraiment, vous étiez tous les quatre, tous les cinq, François, je vais t'inclure là-dedans, extraordinaire. Vraiment, je n'ai pas d'autres merci, mots. Merci, François. Merci. Tellement d'une générosité incroyable. Merci infiniment de votre présence. Puis voilà, c'est ce qui conclut officiellement. Est-ce qu'on est encore en onde, là? Est-ce que les gens nous voient en train de parler? Non, je te rassure. Bon, voilà. On est juste entre nous autres. Bravo, 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 bravo. Puis quoi dire à part ça que, écoute, j'ai soif, j'ai une petite soif, là. Il va falloir aller chercher de la bière. Ah non, on peut pas, couvre-feu. Il va falloir que je couche chez vous, j'ai le dos. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Bye-bye. Wow.